Hotep, Hotep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit, les amis. On est là en force. Mettez déjà dans le commentaire la chanson, vous la connaissez. Si tout est OK, mettez 5. Et si ça ne va pas, mettez 2, les amis. Et dès que je vais voir les 5 apparaître ou les 2 apparaître, je ferai ce qu'il faut. En attendant, je passe le Hotep à toute ma famille Montou. Je vois que Ngolo Shop est toujours à côté. Oui, les amis, soutenez le frère si vous voulez les petites chantes comme ça. Allez sur Ngolo Shop et mettez-vous bien. C'est bientôt les abdos. On va montrer. C'est bientôt l'été plutôt. On va montrer les abdos et les muscles. Donc, les amis, c'est le moment de se faire élégant. Sur ce, je vois déjà les 5 apparaître. On est OK. C'est du bon. C'est parfait. Eh bien, les amis, déjà que hier, vous avez kiffé. Et aujourd'hui, je remets une couche. Je remets une couche parce qu'on va être avec le frère Soap. Depuis le Cameroun, la dernière fois, il a mis le feu. Et aujourd'hui, eh ben, il vient remettre une couche, une seconde couche, les amis. Je ne suis pas le pompier, je vais le laisser faire. Il va tout brûler. Je regarde que mon pull-up est déjà opérationnel. Soap, est-ce que tu m'entends? Hotep, Hotep, Ankuja Seneba, la famille Muntu, Hotep, Ankuja Seneba, tous les sœurs et les frères qui sont sur le live. Hotep, Ankuja Seneba, Kemara Touhou, Abatem Nassim, Hotep, Ankuja Seneba, nous morts et nos ancêtres. Hotep, Hotep, mon frère, Hotep. Bon, la dernière fois, tu es venu en masqué. Donc là, aujourd'hui, tu viens à visage découvert pour un vrai braquage Kamit. Voilà. Bon, frère, avant qu'on se parle, parce qu'on va se dire quand même beaucoup de choses intéressantes, on va faire les choses bien. Donc, on va convoquer certaines énergies. Parce que c'est comme ça, c'est la coutume. Alors, surtout quand je me retrouve en face de quelqu'un qui connaît bien ces choses, j'aime bien que ça soit carré. Donc, je vais te laisser faire cette partie et juste après, on fera notre petite discussion. OK? OK, ça marche. Je vais convoquer nos morts et nos ancêtres et même nos divinités par ce chant incantatoire que nous avons l'habitude de scander haut et fort pour être connectés avec eux et pour qu'ils entendent les doléances qui sortent de notre tête et de nos cœurs et même de tout ce que nous sommes dans l'ensemble. Musango na binyo bedimwe. Musango na binyo bedimwe. Musango na binyo bedimwe ambambambe. Musango na binyo bedimwe. Musango na binyo bedimwe. Musango na binyo bedimwe. Musango na binyo bedimwe abambambe. Musango na binyo bedimwe. Musango na binyo bedimwe. Musango na binyo bedimwe. Musango na binyo bedimo ambambambe. Musango na binyo bedimwe. Maintenant, je vais parler en français pour que les frères et les sœurs qui sont dans le live puissent comprendre ce que je dis. Je demande à nos morts et nos ancêtres de nous accompagner dans tout ce que nous faisons, que eux-mêmes viennent parler dans ce live. Je demande à nos morts, à nos ancêtres et même à nos divinités de nous garder, de nous protéger, de nous accompagner dans nos tâches quotidiennes et surtout de nous donner la force de continuer ce combat. Mais en plus de garder et de protéger notre père et doyen Doumbi Fakoly qui reste injustement enfermé et que nos ancêtres puissent, de là où ils sont, depuis Yalou, depuis la Menti, mettre leur force en marche afin que les sœurs et les frères de ce combat puissent eh bien, se mobiliser pour que le père, notre doyen, puisse donc être libéré, car incarcéré injustement. Hotep, Ankuja Seneb. Hotep, Ankuja Seneb, merci frère pour cette pensée, surtout pour le doyen Doumbi Fakoly, que nous n'oublions pas, ce doyen qui nous a apporté la connaissance, qui nous a éclairé aujourd'hui, injustement incarcéré dans la musulmanie, le Mali. Bizarrement, ouais. Que nous avons tous soutenu, mais finalement nous avons soutenu un État qui ne respecte pas la liberté de penser. Enfin, en tout cas, nous soutenons notre frère et nous allons tout faire pour montrer notre solidarité. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes tous Doumbi Fakoly. Frère, encore une fois, merci. Merci.
d'accepter de venir sur cette chaîne pour un peu échanger nos connaissances et nous faire aussi découvrir certains aspects de la spiritualité que toi tu pratiques. Parce que c'est comme ça, c'est dans l'échange que on grandit. Le Exact. sujet, c'est toi qui l'as choisi, mon frère, concernant le nom. Pourquoi ce sujet te tenait à cœur? Pourquoi tu voulais partager ce sujet avec nous? Bon, si j'ai tenu à partager ce sujet avec vous, c'est parce que je me suis rendu compte que, bon, depuis ma transition, que le nom est quelque chose de très important et de très capital. Et je me suis rendu aussi compte par la suite que c'est un gros guet-apens énergétique, le fait de porter le nom du Locoderme, le fait de porter le nom de ceux qui nous ont massacrés, de porter le nom de toutes ces personnes-là qui nous ont fait du mal de près ou de loin. De porter, même s'ils ne font pas partie des personnes qui nous ont fait du mal, mais de porter des noms qui ne sied pas avec notre énergie, qui ne nous correspondent pas vraiment dans l'ensemble. Donc, on est désidentifié par le fait qu'on porte le nom des autres et on perd notre identité. On se déconnecte même littéralement de nos lignées en portant le nom des autres. Donc, si on doit parler de renaissance, si on doit parler de cette transition forte et fulgurante, il est important de commencer par la toute première chose que Atum lui-même a fait, la toute première chose que Eyo lui-même a fait. Parce que nous, si nous parlons de spiritualité, nous ne pouvons pas débattre sur des thèmes sans parler de nos mythes. On commence par là, parce que c'est notre façon à nous de démanteler les choses et d'expliquer les choses. Donc ici, la science des noms africaines est remplie de beaucoup d'accessions de symbolisme qui relèvent d'une connaissance profonde dans le sens de l'acte de nommer, de donner du nom, de donner une signification, de donner de l'existence à quelque chose. C'est fondamental et c'est très capital pour les Africains. Donc ici, pour tenter de saisir et de comprendre cette importance capitale, il faudrait d'abord faire ce qu'on appelle une sorte de ralliement entre le nom et les différentes sortes de constituants de l'être que nous sommes ou que nous avons. C'est pour ça que nous mettons autant de force, autant de vitalité dans cette chose-là de donner du nom, de nommer quelque chose. Donc ici, nous allons remarquer que dans Ouh là là, l'attribution du nom, tu es dans le il y noir, a mon quelque frère. chose de très fort qui se passe. Oui, nous sommes au Cameroun et ils savent bien faire leur show. Et ça ne va pas nous empêcher de continuer de faire ce qu'on a à faire. Ok, mon frère, on y va. Ouh là là, il faut appeler Maître Non, Gims c'est fort. parce que apparemment, Non, il s'y connaît en électricité. voilà. Donc, ici, comme j'étais en train de dire, nous avons un intérêt très capital de donner le nom. C'est quelque chose de substantiel pour nous, parce que attribuer le nom à quelqu'un ou à quelque chose, c'est donner une vie à la personne. Parce que nous savons que dans le nom, il y a tout. Il existe tout dans le nom. Et dans l'Afrique, où même le fait de parler, l'action de prononcer est infusé de pouvoir, le nom qu'on donne à la naissance est donc porteur soit d'encouragement, soit à un sens proverbial, soit prédictif, soit exalté. Mais sans oublier que tous ces noms, peu importe leur divergence, ont donc une signification traditionnelle, très 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 profonde et même très mystique, qui connecte dans ce dernier, cette personne à qui on a donné le nom, à ses entités, à ses clans ou son clan, sa famille, sa lignée, son cosmos univers. En fait, ce qui le rallie même le plus à ça, c'est la cérémonie qui va accompagner et qui va entourer et sceller ces noms. Donc, nous allons donc parler de l'acception négro-africaine que nous avons du nom, l'origine du nom, les fonctions du nom, de parler de la charge que contient le nom, tout en précisant les fonctions et les enjeux en cette période de Renaissance. Et tout ceci sans oublier qu'il est important de dire, et avec force et vigueur, que porter un nom qui est propre à nous, notre nom traditionnel, c'est un bonheur et c'est quelque chose qui nous connecte à nous-mêmes et à l'univers entier. Et c'est aussi un grand malheur de porter le nom des locoderme, de porter le nom de nos bourreaux. Mais je suis pas d'accord avec toi en vérité. Un nom, c'est juste un nom, frère. On peut t'appeler bouteille et ça fonctionne dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu es une bouteille. Je veux dire, le nom n'a aucun impact dans ta vie. C'est juste quelque chose que tu portes pour qu'on puisse te reconnaître. Je veux dire, Non. pourquoi? Non, c'est pas comme ça. Tout Tu au veux me contraire, le dire que nom. tu veux me dire que un nom peut avoir de l'impact dans la vie d'une personne? Bien sûr, le nom a l'impact dans la vie d'une personne, sur le présent et même sur le futur. Dis-le. Parce que nommer quelqu'un, oui,
Nommer quelqu'un, c'est donner quelque part une directive à la vie de la personne. Donc, si on dit qu'une personne s'appelle Hervé de la Matiette, eh bien, on voit très bien que ces gens ont des têtes en forme de matiette. Oulala. Ou, je ne sais pas quoi, Luc de la Poêle, on va les voir avec des nez en forme de poêle. Donc, ici, nous ne donnons pas des noms n'importe comment. Le nom, ici, a une charge, une énergie, une force. Le nom contient une énergie particulière. Donc, si on part du principe que nous sommes dans ce panvitalisme-là où la vie existe en toute chose, ça veut donc dire que chaque lettre détient une énergie particulière. Donc, en agençant chaque lettre pour que ça donne un nom, on se retrouve ici avec un amas énergétique. Donc, le nom, ici, devient une masse énergétique qui, de par l'historicité de ce nom, qui, de par la mémoire, si c'était le nom d'un combattant, si c'était le nom d'une personne puissante, si c'était le nom de quelqu'un qui avait vécu sur le plan physique et qui a eu une vie mémorable, une vie de combat, une vie loyale, en réalité, ce nom-là porte dans l'énergie de cette personne. Donc, si cette personne était un bandit, en portant ce nom, vous avez potentiellement... Alors, les ancêtres sont très forts, ils ont remis la lumière. Donc, nous avons donc potentiellement la capacité d'être influencés par ce nom. Donc, le nom, ce n'est pas simple. Le nom a son origine. Dis-moi un peu. Et c'est important de... Dis-moi un peu, frère. Est-ce que tu penses, honnêtement, que lorsque les locodermes sont venus en Afrique, ils nous ont baptisés? Et lorsqu'ils nous ont baptisés, chez nous, on appelle ça Nkumbu ya Nzambi. Ça veut dire quand tu portes le nom d'un blanc, c'est ça qu'on appelle Nkumbu ya Nzambi. En traduction, ça veut dire le nom de Dieu. Donc, si tu vois un Congo, il va te dire Nkumbwa ku ya Nzambi nani. Donc, quel est ton nom de Dieu? Et à ce moment-là, tu vas lui dire, je m'appelle Jean-Luc, je m'appelle François. Donc, ce que je veux dire par là, mais ce que je dis, c'est vrai, hein, je rigole pas. Je sais pas comment ça marche au Cameroun, mais c'est ça. Pour nous, ce qu'on appelle le prénom, ce qui vient après le nom, là, c'est ce qu'on appelle ça Nkumbu ya Nzambi, le nom de Dieu. Donc, ce que je veux savoir, est-ce que les locodermes l'ont fait sciemment? C'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose qu'ils ont imposé comme ça aux Africains, mais il y a un côté un peu mystique. Ou c'est juste un hasard? Toi, comment tu vois la chose? Justement, il y a un côté mystique. Il y a un côté mystique, c'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est un guet-apens énergétique, c'est un braquage énergétique, parce que le fait de dire à quelqu'un que par le baptême, je te dépossède de ton nom ancestral, de ton nom propre, et que je t'attribue un nom qui est bien évidemment les noms de moi, mes ancêtres, des gens que je suis, eh bien on est en train de te déconnecter de ta source énergétique. On te déconnecte de tes morts, on te déconnecte de tes ancêtres, on te déconnecte de tes entités, de tes divinités. On te déconnecte même de la source. Parce que le nom est, comme on a l'habitude de le dire, cette barque-là qui porte les autres constituants de l'être. Le nom est une force. Le nom comme une vibration. Donc, ici, on voit donc l'importance que les Africains ont mis dans le nom. Parce que dans le nom, on retrouve toute ta personnalité. Et très souvent, ici, chez nous, il y a des noms des clans. Quand quelqu'un se présente devant les gens, on peut directement deviner de quel clan il est, de quel village il est, s'il est de classe royale. Donc. Oula, il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va revenir. Peut-être qu'il n'y a plus d'électricité. Les amis, on va attendre, mais ça a l'air... J'étais en train de prendre les notes là, parce qu'il a dit quelque chose qui m'intéresse. Juste un instant, les amis. Faut pas que j'oublie, sinon je perds le fil. Ah, il est de retour. Il est de retour et c'est tant mieux. Ok, je te vois. Frère, tu peux y aller. Ouais. Donc, comme j'étais en train de le dire, le fait qu'il nous ait changé de nom, c'était une très, très grande technique qui était donc celle de nous déconnecter de notre ancestralité, de nous déconnecter de cette personne-là qui gardait le lien avec nous par le nom. Par le nom. Donc, ce n'était pas un jeu, ce n'était pas... C'était très, très, très bien calculé. Donc, le nom ici fait partie intégrante d'un individu. Partie intégrante d'un individu. Parce que le nom, c'est tout. Et il y a tout dans le nom. Tu as dit quelque chose. Tu as dit que lorsque le locoderme te dépossède de tes morts. Lorsqu'il te donne un nom à lui, il te dépossède de tes morts. Essaie de me réexpliquer. Il te déconnecte de tes morts, de tes ancêtres, il te déconnecte.
Quand tu dis ça, mon frère, essaie de me rappeler le lien que les Africains doivent avoir avec leurs morts. Parce que nous, on nous a éduqués que les morts, il faut les oublier. Une fois qu'ils sont enterrés, tu les oublies. Il ne faut pas mettre de photos de tes ancêtres dans la maison. Ça fait peur, ce n'est pas bon. La seule photo qu'on doit avoir dans la maison, sur le mur, c'est la photo de Jésus, de Marie, la photo des dessins de Jésus et de Marie. Tout le reste, là, on n'en veut pas. Donc, essaie de m'expliquer, toi, là, c'est quoi l'importance d'être connecté à ses ancêtres en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, l'importance d'être connecté à ses ancêtres par le nom, par notre patronyme ou notre matronyme. Ceci dit, on doit expliquer la fonction ou encore l'origine du nom, parce qu'en partant sur l'origine du nom ou encore la sacralité du nom, les autres pourraient bien comprendre d'où est-ce qu'on part pour expliquer la force et l'importance que cela revêt de porter ou de garder son nom de famille. On va donc voir ici Eyo qui va dire dans le mythe que il est la totalité de nos noms. Ici, Eyo, c'est le divin chez les écans. Il dit qu'il est la totalité de nos noms. Ça veut dire que tout ce qui existe a été nommé. Et lui qui est la divinité primordiale est dans l'ensemble de tous ces noms. Ce qui revient à dire que les autres noms qui sont de l'autre côté continuent d'être connectés à Eyo par le fait qu'ils aient un nom. Et le même nom que Eyo a. Donc ici, il y a une sorte de cohésion et de lignée directe ou de connexion directe entre le vivant et son ancêtre. Parce que le nom qu'on porte a été choisi par nos pères et nos mères. Eux aussi, le nom qu'ils portaient, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que dans le nom, il y a une charge. Il y a une mémoire dans le nom. Il y a les noms des clans. Il y a les noms des familles. Donc c'est important de comprendre déjà la signification de notre nom. C'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous a donné ce nom. Et une fois qu'on sait ces choses-là, on comprend très bien que les noms peuvent avoir des origines historiques. L'arrière-grand-père était un grand combattant. C'est lui qui avait sauvé le village. Maintenant, nous portons son nom. Ça veut simplement dire que, en cas de problème dans la famille, parce que je porte ce nom, j'ai une prédisposition à venir en aide à ma communauté, venir en aide à ma famille. Parce que le fait de porter le nom d'un ancêtre, ou le fait de porter le nom de notre lignée, conduit de nous rattacher à cette lignée-là. Et parce qu'on a ce nom, parce qu'on vibre avec ce nom, parce qu'on pose des actes avec ce nom, nous avons la capacité de renflouer le mort ou l'ancêtre de l'autre côté. Chaque fois que quelqu'un nous appelle par notre nom de famille, cette énergie qui sort de cette personne va directement et recharge de manière rapide et directe notre mort ou notre ancêtre. C'est une sorte de vivification instantanée qui se fait. Donc, le fait de porter le nom d'une autre personne, de s'appeler Marie, Joseph, Luc, Pierre, Paul et tout le reste, chaque fois qu'on va dire « Paul, comment tu vas ?» l'énergie qui sort de cette personne va aller renflouer l'énergie de Paul. Paul qui était donc parmi les tortionnaires de tes ancêtres. Alors là, on voit donc très bien l'enjeu. C'est vraiment désastreux de voir ça, que chaque jour et au quotidien, nous donnons notre force, notre énergie à ces gens-là qui sont venus œuvrer pour nous déposséder de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Donc, porter notre nom est très important parce que ça nous reconnaît dans notre ancestralité et ça permet qu'on garde le fil, le cordon entre eux et nous. Mais est-ce que ce n'est pas possible de profiter des biens des autres ancêtres, des ancêtres qui ne sont pas les nôtres ? C'est-à-dire que tu peux être un Africain, mais parce qu'il y a eu un ancêtre de je ne sais pas quel pays qui a fait des choses aussi importantes et porter son nom en espérant obtenir de la chance, en espérant, je sais pas moi, tu vois ce que j'ai profité un peu du buzz de ce blaze-là. Est-ce que tu comprends si je te parle en 9-3? Je comprends. Voilà, ici, ta question, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que on voit des personnes qui vont se justifier en prenant ce prétexte que oui, tel a quand même fait telle chose et tout. Moi, je vais dire quelque chose. Si cette personne n'a rien fait d'important pour l'Afrique, vous ne portez pas son nom. Point final. Parce que ici, c'est un contexte idéologique. Nous devons porter les noms qui vont renflouer l'énergie de ces personnes qui ont combattu pour l'Afrique. Si Jean-Luc a fait de très belles choses pour la France, c'est pour la France. Je n'ai pas à porter son nom. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas important pour moi. Mais tu es un être humain. Il n'est pas connecté à moi. Mais tu es un être humain.
Mais tu es un être humain, tu peux profiter. C'est universel, frère. Ce qu'il a fait, si c'est pour le bien de l'humanité, toi aussi, tu peux profiter. Je vois pas où est le mal, en vérité. C'est pas universel, pourquoi ? Parce que le nom. Parce que je porte le nom de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père me donne des forces. Il me donne des grâces. Il m'ouvre les portes. Il me guide. Il me protège et tout. Jean-Pierre, qui a sauvé la France, qui a fait de très belles œuvres à la France, ne peut pas et n'est pas connecté à nous malgré qu'on porte son nom. Donc, au lieu de donner son énergie à ses arrière-petits-fils, petits-fils qui s'appellent aussi Paul, Jean, Jacques et Pierre comme lui, tu penses qu'il va donner son énergie à un petit noir dont ses ancêtres ont massacré les parents? Ce n'est pas possible. Donc ici, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Si nous devons porter des noms, portons des noms africains. Portons des noms qui nous correspondent. Personne de nos ancêtres ne s'appelait Marc, Luc, Jean, Pierre et je ne sais quoi. Personne d'eux. Même si on remonte au général jusqu'à la millième au-dessus de nous. Donc c'est idéologique, c'est aussi énergétique. Mais attends, alors j'entends ce que tu dis que c'est idéologique, c'est énergétique. Mais si je porte le nom que je porte là de mes ancêtres, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas fait des bonnes choses. Imagine que ma famille là, c'est une famille de brigands. Dans le village est au courant de ça. Tout le monde est au courant que aïe, la famille d'un tel là, c'est même pas la peine. Donc moi, je veux dire, c'est une famille qui ne peut pas me permettre de travailler. C'est un nom qui ne peut pas me permettre de me marier. Parce que dès que je décline mon identité, tout le monde sait que, aïe, c'est même pas la peine. Il n'y a pas moyen de faire une usurpation d'identité. Je prends même ton blaze à toi, il n'y a pas moyen de le faire. Et je dois être fier, voilà. peu importe ma lignée, peu importe, je dois être fier parce qu'au nom des ancêtres, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, justement, parce que ces choses ne sont pas figées, parce que ces choses ne sont pas bloquées, il existe des rites de tation de noms. Il existe aussi des rites de dépossession des noms. Des rites de... C'est-à-dire qu'on t'extrait ton nom, on le retire et tu le maudis. Parce que ce nom te porte préjudice. Parce que ce nom t'empêche d'évoluer. Parce que ce nom te crée des problèmes. Parce que ce nom fait qu'on se moque de toi. Moi, je connais des personnes qui avaient des noms et chaque fois, ils étaient toujours malades. Ils n'arrivaient pas à trouver de travail. Ils n'arrivaient pas à se marier. Rien. Mais le jour où on a fait le rituel pour changer leur nom, pour leur donner un nouveau nom, une nouvelle identité, toute cette énergie négative-là s'en est allée avec l'ancien nom. Et désormais, ils vont avoir une nouvelle vie parce qu'ils ont eu un nouveau nom. Donc, s'il y a eu un de nos ancêtres qui s'est mal comporté par le passé, qui était un brigand, un voleur, un violeur, et en tout ce qu'on peut dire, nous n'avons pas apporté son nom. La preuve, c'est que pendant les rituels d'adoration du nom, il y a ce qu'on appelle l'origine divinatoire du nom. Ça veut dire que on va consulter les oracles et c'est les oracles qui vont dire quel est le nom qu'on va donner à l'enfant qui vient. Est-ce que tel nom est bien pour lui? Non. Est-ce que tel nom est bien pour lui? Non. Est-ce que tel nom est bien pour lui? Très souvent même, ce sont les ancêtres eux-mêmes qui viennent en rêve sur le plan onirique dire quel est le nom que l'enfant doit porter. Parce qu'eux, de l'autre côté, savent déjà que non, tel s'est très mal comporté. On ne peut pas donner tel nom à cette personne-là. On va donner un autre nom. Donc, c'est quelque chose aussi de culturel. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. Si ton nom te porte préjudice, Kemara Touré et Baten Nafsi organisent très souvent des rituels pour extraire le nom, pour supprimer ce nom, pour nous déconnecter de cet ancien nom et nous donner maintenant un nom, une nouvelle énergie qui va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire jusqu'à ce que nous puissions être réellement connectés à notre ancestralité. Exact. C'est très important de noter ça. Alors, on parle beaucoup du nom, mais qu'en est-il du surnom? Qu'en est-il du petit nom qu'on a choisi, le petit nom du quartier? Est-ce que ça aussi, ça a de l'impact? Est-ce qu'on devrait faire attention au petit nom qu'on a accepté du quartier? Parce que tu sais, en Afrique, en général, c'est ça, hein, t'as toujours un petit blaze, t'as grandi avec. À la base, c'était une blague, on t'avait fait une blague, et puis bon, finalement, tu vieillis avec, et puis tu l'as accepté. Et puis, le nom est calé, quoi. Voilà, tu vois, donc on t'appelle la roulette. Tu vois, parce que à l'époque, t'avais fait, je sais pas, quelque chose avec la roue, et puis finalement, tu l'as accepté. Donc on t'appelle la roue. En plus, au pays, on aime bien préférer des raccourcis, on t'appelle la roue, et puis maintenant, t'as grandi avec ça. Donc ce que je veux savoir, ça aussi, du coup, on devrait quand même faire attention à ça, ou bien ce qui compte, c'est le vrai nom
C'est-à-dire que le nom qui est sur tes papiers, les petits blasts qu'on te donne là, ça n'a pas vraiment d'impact. Tu suis ma question ou pas? Je suis très bien ta question et je veux t'en répondre en disant qu'il y a de différents types de noms. Il y a des surnoms qu'on se donne, des surnoms qu'on nous a même donnés. Il y a le nom de la naissance, il y a le nom initiatique, et il y a même le nom tamtamique. C'est-à-dire qu'on a de différents noms au cours de notre vie par rapport aux choses qu'on a eu à faire. On nous a soit donné un nom, soit on nous a caractérisé d'une certaine façon. Donc, ces choses-là nous suivent parce que du moment où on t'appelle la roulette et que tu acceptes, et que quand on dit la roulette, tu réponds oui, désormais tu es connecté à ce nom qu'on appelle la roulette. Ah bon? Ça veut donc dire que si la roulette, dans sa globalité, dans l'énergie que contient ce nom roulette, veut dire un faiblard, un peureux, un gars qui est toujours dans l'échec, celui qui ne réussit jamais rien, eh bien, Mobali, parce que tu as toujours accepté qu'on t'appelle la roulette, tu vas donc subir l'énergie de ce nom. Ça, c'est automatique. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux petits noms qu'on nous donne, même aux noms que vous donnez aux enfants. Donc, moi, je vois des gens ici dire, appeler les gens mon chou. Mais mon chou, c'est la salade. Ouh. Et si tu acceptes qu'on t'appelle une salade, ça veut dire que tout le monde va te bouffer. Ouh là là. Donc, il faut faire attention à ces noms. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Ça paraît chou, ça paraît mignon, ça paraît tout, mais c'est très dangereux parce que ces noms ont des formes énergétiques, ces noms ont des contingences énergétiques. Et on les subit parce qu'on accepte de les porter. C'est très, très, très capital de noter ça. Donc, n'acceptez jamais n'importe quel surnom. Un surnom, oui, qui est positif, qui vous arrange, qui sied avec ce que vous faites, d'accord. Mais pas quelque chose qui va vous désavantager. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est important, frère, c'est important. Oui. Comment, à ton avis, pour des personnes qui... Bon, tu as dit qu'il y a des rites, mais en dehors de ça, en dehors de ça. Imaginons quelqu'un qui est en France, qui n'a peut-être pas les moyens de venir en Afrique, qui n'a pas les moyens. Parce que ça demande quand même de l'argent, ça demande des connexions, ça demande plein de choses. Comment une personne peut faire toute seule pour faire son rituel? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que je peux, moi, décider, tiens, je veux retirer mon nom, je fais mon rituel moi-même, et puis je prends un nom, et puis dorénavant, c'est celui-là. Déjà, ce qu'il faut comprendre dans le contexte du rite, qui parle de rite ou de rituel, parle de ritualiste. Parle d'initié, parce que c'est l'initié qui connaît les codes du rite, qui sait qui il appelle, qui sait comment est-ce qu'il conjure le sort du nom, qui sait quelles sont les divinités qu'il convoque, qui sait ce que le rituel, sur le plan purement cosmique, va avoir comme impact. Donc, personnellement, en tant que néophyte, en tant que quelqu'un qui ne sait même pas allumer une bougie ou qui peut-être se limite à allumer une bougie de l'encens, ne peut pas faire un rituel de cette envergure. Mais plutôt, sur le plan idéologique, vous devez déjà commencer à refuser qu'on vous appelle par votre ancien nom. Je m'appelle peut-être... je vais pas un nom... peut-être Louis Dugourdan. Bon. Je vais commencer à dire non, ne m'appelez plus comme ça. Cherchez un nom d'abord aléatoire, un nom qui nous intéresse, qui nous plaît, qui a une bonne signification et qui est kamik ou qui est africaine. Pardon, africain. Et commencez à se l'octroyer de manière, provisoire. Ça veut dire que chaque fois qu'on va dire « Hey, Hervé, comment tu vas ?» Non, ne m'appelez plus Hervé. Je m'appelle, Nefertiti, un truc comme ça. Tel nom. Même nos noms sur Facebook, il faut commencer à les changer. Vos noms sur les réseaux sociaux, commencez à les changer. Même dans la famille, imposez déjà qu'on vous appelle par ce nouveau nom. Ça permet déjà que progressivement et même processuellement, vous vous déconnectez déjà de cet ancien nom. Ça, c'est un parcours. Et c'est ce que je propose que les frères et les sœurs fassent. Comment, lorsqu'on veut faire un rituel, on s'intéresse un peu à la spiritualité africaine, mais on n'en sait pas beaucoup, tu vois. On n'a pas un bon réseau, comme je l'ai dit, on n'a pas les moyens d'aller en Afrique, tout cela. Mais on a la volonté, en fait. Ces choses-là nous parlent. Et on se dit, tiens, j'ai envie de refaire, de connaître mes ancêtres.
Et tu sais que c'est très difficile, même pour ceux qui sont sur le continent, d'aller au-delà même de 4 générations. C'est vraiment très difficile. Parce que le christianisme a fait que quand quelqu'un meurt, ben on ne veut plus en parler, machin truc. Et puis les enfants n'ont pas été éduqués pour être fiers de leur patrimoine. Donc du coup, on oublie en fait. Au bout de quelques générations, 3-4 générations, finalement, tu n'arrives plus. Donc, j'imagine mes frères qui sont aux Antilles, aux États-Unis, vraiment là, c'est encore la Zoubia, c'est encore pire. Dans ce cas-là, comment on peut faire pour invoquer les ancêtres dont on ne connaît pas le nom? Ok. Tu suis? Oui, je suis. Nous savons très bien qu'il y a des types d'ancêtres. Ancêtres de clans, des lignées, ancêtres totémiques, ancêtres idéologiques. Donc, ancêtres initiatiques même, ce qui revient à dire que pour des personnes qui ne sont pas connectées à leurs ancêtres parce qu'ils n'ont pas les noms, ça je parle dans le cas le plus extrême, quelqu'un qui n'a pas de nom africain, qui n'est connecté à aucun de ses morts et ses ancêtres, peut donc se connecter à ces personnes-là qui ont œuvré pour l'Afrique, se connecter donc à ces gens-là qui ont eu cette idéologie de garder l'Afrique forte et puissante, de se connecter à eux. Parce qu'en les convoquant, eux, parce que déjà très élevés de l'autre côté, peuvent même, ça c'est quelque chose qui est très important, nous connecter à l'un de nos morts, l'un de nos ancêtres de l'autre côté. Maintenant, pour les personnes qui n'ont que 2 noms, ou qui n'ont que 3 noms, ou qui se sont seulement limitées à avoir les noms, de la possibilité d'avoir les noms, juste à la première génération, à la deuxième génération, qu'ils se connectent à ces personnes. Parce que le fait d'être connecté à ces personnes, le fait de les vivifier, de les purifier, de les charger, de leur donner de la force et de discuter avec eux, comme j'ai l'habitude de dire, faire en sorte que eux de l'autre côté, déjà chargés, ayant déjà assez de force, vont aller chercher les autres. C'est eux-mêmes qui viendront donner les autres noms. C'est eux qui viennent donner les autres noms. Et par plusieurs canaux. Lorsqu'on est connecté à ces gens, c'est ça le plus important, c'est d'être connecté. Parce que lorsqu'on est connecté, tout le reste suit. Donc, il n'y a pas un blocage à cet endroit. Il n'y a pas, non, si je n'ai pas les noms, je vais faire comment. Non, vous pouvez vous connecter à vos ancêtres par les ancêtres idéologiques. Vous vous connectez à eux. Essayez un peu de m'éclaircir ancêtres, parce que beaucoup de personnes parlent d'ancêtres. On ne sait plus. Est-ce que ancêtres, c'est les morts? Ancêtres, c'est qui? On nous parle même des fois de ancêtres. C'est quoi déjà l'expression là des réseaux sociaux? Ancêtres méritants. Donc apparemment, il y a des ancêtres méritants, il y a des ancêtres qui ne sont pas apparemment méritants. Bon, moi, c'est pas ce qu'on m'a appris. Un ancêtre, tu es méritant. C'est pas tout le monde n'est pas ancêtre. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Donc il peut pas y avoir d'ancêtres méritants. Il y a ancêtres, point à la ligne. Mais je te laisse un peu développer toi. C'est quoi finalement un ancêtre? Parce que j'avoue que tout le monde là dans les réseaux sociaux dit un peu n'importe. Tout le monde dit n'importe quoi. Là. On a déjà plusieurs fois expliqué ça. Explique encore. On va encore expliquer parce que la répétition, quelqu'un avait dit, c'est la mère de la connaissance. Il y a les vivants, les morts, les ancêtres divinisés. Et plus haut alors, le divin, la divinité elle-même. Maintenant, le mort, c'est le vivant qui a transité, qui n'est plus sur le plan physique, mais qui est désormais sur le plan mystique ou invisible. Il a transité. Il est de l'autre côté. C'est un mort. Mais parce que chez nous, nous savons que la mort n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un nouveau parcours de l'autre côté. Ce qui revient à dire qu'une fois que quelqu'un meurt, il y a un parcours qu'il doit effectuer de l'autre côté. Mais un parcours de purification, un parcours de remise en question, un parcours de remise en cause, un parcours de réparation. Et c'est en effectuant dans ce parcours où on parle des 6 portes souterraines qui nous mènent donc à l'ancestralité. Une fois que le mort a parcouru ces zones de chaud, de froid, de douleur, d'obscurité, qui sont dans les états dans lesquels le mort se trouve de l'autre côté, une fois qu'il les a traversés vaillamment, parce que nous lui avons doté de force pour qu'il puisse évoluer de l'autre côté, parce qu'il faut noter que le mort n'évolue pas seul, ce sont les vivants qui accompagnent le mort dans ce parcours qui va faire en sorte qu'il puisse devenir demain un ancêtre. Et que lui aussi en retour, parce que Ubuntu avec les morts et les vivants, venir maintenant en aide à ceux qui sont sur le plan physique. Donc le mort a donc un parcours qu'il doit effectuer.
Et une fois qu'il arrive aux portes, ou encore à la porte de l'ancestralité, les ancêtres de l'autre côté vont donc lui poser des questions. Parce que l'ancestralité étant un grade, c'est un grade que le mort va acquérir. Attends, attends, je te mets un pull-up, parce que là, là, t'as dit quelque chose. Retiens ta phrase, là. Je mets un pull-up d'abord. Oui, cette partie, c'est parti, c'est passé trop vite. Donc, répète à ton histoire de grade, là. Justement, comme j'étais en train de le dire, le parcours que le mort effectue et qu'il arrive au stade de l'ancestralité, c'est un grade qu'il obtient. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire ancêtre méritant, mais on peut dire mort méritant. Parce que c'est le mort qui a mérité ce parcours qu'il a bien fait, qu'il a, on va dire quoi, corrigé, qui lui permet donc d'entrer donc dans la strate d'ancêtre. Donc une fois qu'il est là-bas, il devient ancêtre. Donc l'ancêtre, c'est le mort méritant. On ne peut pas dire ancêtre méritant, ce n'est pas possible. Ce serait un peu comme une sorte de tautologie, une sorte de redondance de temps. Parce que l'ancêtre, c'est le mort méritant. Je pense que c'est clair, mon frère. Si on a compris que ancêtre, c'est un statut, c'est comme un grade. C'est quelque chose qui se mérite. D'accord ? C'est quelque chose qui se mérite. Mm-hmm. Est-ce que les vivants... Alors, redis-le encore. Si tu ne l'as pas dit, redis-le encore. Est-ce que les vivants ont quelque chose à avoir pour aider à ce que cette personne qui vient de mourir puisse avoir son grade? Les vivants n'ont rien à voir. Peu importe ce qu'ils vont faire. Attends, je finis juste ma phrase. Peu importe ce qu'ils vont faire ou ne pas faire, je veux dire, ça ne va pas avoir de l'impact sur le fait que ce mort-là soit un ancêtre ou pas. T'as compris ma question? J'ai compris la question. Alors maintenant, dis-le. Je vais répondre. Les morts ne peuvent pas se déployer de l'autre côté seuls. Ils ont besoin des vivants. Pourquoi? Parce que juste par le principe du nom, de l'anthroponymie, nous continuons d'avoir les noms de nos morts. Donc, nous sommes connectés à eux par le nom. S'ils n'évoluent pas de l'autre côté, ils peuvent nous impacter ici. Ça veut dire que nous avons dans l'obligation de faire des choses, des rites, des hôtels pour eux. Porter leur nom, donner leur nom à nos enfants pour qu'ils puissent, chaque jour qu'on va dire le nom de l'enfant, on sera en train de vivifier le mort de l'autre côté pour qu'il puisse se déployer très rapidement. Donc, le mort a besoin des vivants pour évoluer de l'autre côté. C'est pour ça que le nom, il est très capital. On a vu le dessin animé, Coco et les Oubliés, où le mort est arrivé de l'autre côté et les ancêtres lui ont dit, tu ne peux pas passer ici parce que personne ne porte ton nom chez les vivants. Dis-le, attends. Tu vas le dire encore, s'il te plaît. Tu vas le dire. Encore. Donc, lui, le mort, il est arrivé de l'autre côté, chez les ancêtres, et les gars l'ont dit, on ne peut pas te laisser passer parce que non seulement personne n'a mis ta photo chez eux, personne n'a fait un hôtel pour toi et personne là-bas ne porte ton nom. Donc, tu ne peux pas évoluer ici. Tu ne peux pas évoluer. Donc, d'où l'importance de donner nos noms à nos enfants, de donner les noms de nos morts, de nos ancêtres, ceux qui ont fait de bonnes choses à nos enfants. Parce que chaque fois qu'on va appeler ces noms, chaque fois qu'on va dire ces noms, c'est de l'énergie que nous transmettons à ce mort de l'autre côté pour qu'il puisse se déployer. En construisant des hôtels pour nos morts, nous sommes en train de leur donner de la force, de l'énergie pour qu'ils puissent se déployer de l'autre côté. Parce que si nous sommes faits des quatre forces cosmiques, ou encore par diminution des quatre éléments, ce qui revient à dire que nous avons eu à boire de l'eau ici, à manger, à respirer, à avoir une température ambiante de 37 degrés. Donc une fois qu'on meurt, on est de l'autre côté, on a également besoin de ces quatre forces cosmiques pour se déployer. C'est pour ça qu'à travers la libation qu'on donne aux morts, on lui donne la divinité eau. On est en train de lui donner Tafanouté. Lorsqu'on va lui allumer de l'encens, on lui donne la divinité Chou, qui est l'air. Lorsqu'on va lui donner à manger, on se rend de lui donner la divinité Gaba, la terre, tout ce qui vient de la terre. Et lorsqu'on va lui allumer une bougie qui va non seulement l'éclairer, le réchauffer, on se rend de lui donner alors ici Nouté, la voûte céleste, le siège de Ra, le siège du soleil. Le mort a besoin de tout ça de l'autre côté pour se déployer. Alors, mon frère... Ils ne le font pas. Mon frère, là, maintenant, c'est là. Tu vois, j'ai fait exprès de t'emmener ici parce que la vraie question que je voulais te poser, c'est maintenant celle-là. Maintenant que tu as dit ça, si c'est vrai, si tout ce que tu as dit là, c'est comme ça, alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne
malgré qu'elle a fait des bonnes choses, malgré que cette personne a honoré ses ancêtres, malgré. Puisque de tes mots, d'après ce que tu viens de me dire, c'est que les humains ont quelque chose à faire dans l'équation. Ils vont aider à booster. Ils vont, tu l'as dit, hein. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui se passe à ton avis lorsque quelqu'un décède, que cette personne a été kémite, lorsque cette personne a tout fait dans la communauté, peu importe, même à la hauteur d'un Omutunde, d'accord ? Et que cette personne décède, et que la communauté ne fait rien, et que tes parents ne font rien, et que tu es enterré dans un cimetière chrétien, et que malgré tout ce que tu as fait de positif pour ta communauté, à ce moment-là, frère, qu'est-ce qui se passe ? Puisque tu as dit que les humains ont quelque chose à faire dans l'équation. mon frère, tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai envie que tu réponds. Pas de langue de bois. Hein. Ta question, elle est, pour moi, c'est une question qui est simple. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se retrouve dans cet état, dans cet exemple bien carré, je prends l'exemple de notre professeur Kalala Omotunde Nusere. Eh bien, la masse des choses qu'il a eu à faire de son vivant, le nombre de personnes qu'il a sauvées mentalement, le nombre de personnes qu'il a enseignées, ces vidéos qui parcourent tous les réseaux sociaux tous les jours, les gens qui passent le temps à regarder, à visionner, à voir, à répéter, à refaire des vidéos dessus, eh bien, Mobali, après savoir même si personne ne fait rien pour lui, il évolue parce que cette masse énergétique le suit et l'amène de l'autre côté. C'est très important. C'est pourquoi le comportement que nous devons employer ici sur le plan physique, sur le plan terrestre, doit être un comportement maratique qui doit nous permettre de nous déployer assez fluidement ou fluidiquement ou rapidement de l'autre côté après la mort, si jamais personne ne fait rien pour nous. Oui, mais là l'exemple, il est un peu facile. L'exemple, il est un peu facile parce qu'effectivement, le nom d'Omutunde est prononcé tous les jours. Les vidéos, c'est-à-dire son énergie, elle est là. Ce n'est pas quelque chose qui est éteint, d'accord ? Il continue à parler chaque jour dans les vidéos. Donc, son nom, il circule. Mais dans le cas d'une personne, je veux dire, qui n'a pas fait des choses à la hauteur d'Omutunde, qui n'a pas de vidéo, c'est quelqu'un qui faisait ça, qui faisait son kémétisme tranquille dans sa chambre, en regardant YouTube. Mais je veux dire, personne au boulot ne sait qu'il était kémite. Le voisin du troisième ne le savait pas. Tu vois, il faisait ça. Même les gens de sa famille ne le savent même pas. Donc cette personne-là, Papoulukusu, elle décède. Tu vois, elle décède. Bon, les parents comme ne savaient pas. Ou ils le savaient, mais disons qu'ils n'ont jamais cru en ces histoires, donc ils l'ont récupéré, emballé, on a mis dans un cercueil chrétien, enterré dans un cimetière chrétien. On reprend le blaze, tu sais, ton vrai blaze que tu avais, donc du pont de mes fesses. On le met ça sur ta croix, d'accord ? Tes histoires de au tep, je ne sais pas quoi, tout ça là, on retire et tu pars, d'accord ? Et tu pars avec bien sûr tous les sacrements et la bénédiction. Tu es emballé, allez, envoyé. À ce moment-là, frère, c'est quand même... À ce moment-là... T'es dans la merde, hein. Pour que les gens comprennent bien, à ce moment-là, c'est la deuxième mort. Ouh ! Attends, frère, je mets d'abord un pull-up et là, faut que tu donnes tout. D'accord ? Parce qu'une fois que nous mourons, c'est parce que nous avons eu à faire des choses. Rajouter au fait que des gens vont continuer de nous appeler, de nous convoquer, de faire des choses pour nous, de nous appeler, de nous purifier surtout, de faire des rituels de funérailles pour nous faire évoluer, grandir de l'autre côté. S'il n'y a personne pour le faire, Mobali, c'est une deuxième mort. Le mort meurt une deuxième fois de l'autre côté. Il entre dans ce qu'on appelle une latence opaque. Il ne peut plus évoluer. Il n'a pas de force. Il n'a rien. Alors, il stagne pour de bon. C'est pour ça que vous allez voir très souvent des personnes, c'est après parfois 50 ans, voire 100 ans, voire 150 ans, qu'ils reviennent même parler en rêve à quelqu'un. Ah bon ? Parce qu'on n'a jamais rien fait pour eux. Ah bon ? Donc là, c'est lui, bien sûr. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça, le problème. Il est important de comprendre que on ne peut pas abandonner nos morts. C'est un crime de le faire parce qu'on les tue une deuxième fois. On les tue une deuxième fois. On ne doit pas abandonner nos morts. Comment ta mère, ton père, qui t'a élevé, qui t'a tout donné, qui t'a envoyé à l'école, qui t'a soigné, nourri, qui t'a fait de toi ce que tu es, après sa mort, tu l'abandonnes. Parce qu'un soi-disant feignant t'a dit que les morts sont morts et il faut les abandonner.
Non. C'est de l'ingratitude et de l'injustice. Dis-le. Le mort a même plus besoin, lui, c'est de l'ingratitude et de l'injustice d'abandonner ses morts. Parce que de leur vivant, ils ont tout fait pour nous. Et dès qu'ils meurent, on va suivre ce que le locodère m'a dit. Les morts sont morts. Les morts ne sont pas morts. La preuve, c'est qu'ils reviennent en rêve, disent qu'ils ont froid. Ils viennent en rêve, disent qu'ils ont faim. Ils viennent dire qu'ils ont soif. Ils viennent dire qu'ils ne voient pas qu'il y a de l'obscurité de l'autre côté. Mais pourquoi ça? Parce que de l'autre côté, il y a un parcours. Pourquoi ils viennent se plaindre chez nous? Parce qu'on a toujours le lien avec eux. Et parce que aussi, par le principe de la suivance de la conscience, le mort va avec sa conscience. Il connaît ses enfants. Il connaît ses frères. Il connaît qui était fort, qui peut l'aider. Parfois même, le mort va passer par un des amis de ton petit-fils. Parce qu'il sait que cet enfant fait des travaux rituels. Parce qu'il sait que cet enfant est un kamite. Il va passer par cet enfant pour dire à ton petit-fils que ta grand-mère a un problème de l'autre côté. Il faut faire quelque chose pour ta grand-mère de l'autre côté. Parce que la grand-mère s'est rendue compte que personne, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ne sont connectés à elle. La seule personne qui peut l'entendre et qui peut être connectée à ce monde subtil-là, c'est son ami qui, parce qu'il fait des traditions, parce qu'il est kémite, parce qu'il est dans la spiritualité, parce qu'il comprend ces choses-là, parce qu'il sait qu'il y a une connexion entre les morts et les vivants. Donc nous mettons nos morts en souffrance perpétuelle de l'autre côté quand nous les abandonnons, quand on arrête de les appeler, quand on arrête de rire de ce qu'ils faisaient, quand on arrête de raconter leur histoire. Eh bien, ils meurent une seconde fois. Est-ce que c'est quelque chose que, honnêtement, les kémites, les noirs en général, ont conscience? C'est vrai que nous sommes très attachés à la vie et de notre vie, de notre vivant, on aime que les gens parlent de nous. C'est pour ça que les gens, ils sortent dehors, ils sont bien habillés, bien parfumés. C'est pour ça que les gens font des vidéos en général, ils clashent même d'autres personnes, c'est pour attirer l'attention. On a besoin d'une façon ou d'une autre de se sentir vivant, que j'existe. Regardez-moi comment je suis beau, regardez-moi comment je parle bien, regardez-moi comment je suis intelligent, regardez-moi comment... Parce que j'ai un boule tellement rond que les amis, c'est compliqué. Je veux dire, on a besoin... Non mais frère, je le dis comme ça, mais tu m'as compris, tu vois. On a besoin de se sentir vivant à travers le regard des autres, tu vois, non? C'est comme ça. Sinon, mon ami, on se souvient tous quand il y a eu... le confinement, on nous a tous enfermés dans les maisons. On a vu que c'était la déprime. Frère, c'était la déprime de ne plus être regardé, de rester dans ta maison, de ne plus être au contact des autres êtres humains. Les gens, ils ont déprimé. Donc, tu vois, on a besoin de ce rapport-là. Mais comment, étant vivant, on a conscience de ça et nous faisons tout pour attirer cette attention? Nous nous bagarrons, nous faisons plein de choses. Et comment on ne se dit pas, mais putain, mais en fait, moi, quand je vais décéder, est-ce que j'accepterais de partir et que les gens m'oublient? Que mes enfants m'oublient? Et que les enfants de mes enfants m'oublient parce que moi-même, j'ai oublié mes ancêtres? Est-ce qu'on se rend compte de ça, mon ami? Ah, Moubali, c'est parce que justement, on ne se rend pas compte de ça, qu'on vit au jour le jour, qu'on vit comme des locodermes, qu'on vit comme ça, comme des personnes qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de vécu, qui n'ont rien, en fait. Donc, du moment où tu vis et que tu n'es pas conscient qu'après la mort, il y a un parcours, qu'après la mort, il y a quelque chose d'important qui nous attend, parfois de plus important, qu'on doit accomplir de l'autre côté, eh bien, on ne prépare rien. On aura donc passé toute sa vie à montrer aux gens comment on est chaud, comment c'est bien s'habiller, comment c'est bien parler le français de locoderme de merde, comment c'est s'habiller comme des locodermes, bref, on a montré toutes ces choses-là aux gens et ce n'est que ça qu'ils retiendront de notre vie. Mais si on est conscient du fait qu'après la mort, il y a un parcours, qu'on est conscient que nos morts, c'est toujours nous, nous sommes la forme physique de nos morts, et que de l'autre côté, quand nous allons transiter, on aura besoin d'évoluer, de grandir, eh bien, on commence à préparer notre partance. Ça veut dire que les actes qu'on pose au quotidien, désormais, sont des actes qui sont calculés, parce que, en fait, il faut préparer son retour de l'autre côté. Est-ce qu'on peut résumer en disant que la vie, c'est être vivant, c'est préparer sa mort? Moubali, les anciens égyptiens le faisaient. Ils préparaient sur le plan physique leur retour sur le plan subtil. Dis-le. C'est pour ça qu'ils avaient... Oui, bien sûr. Ils préparaient leur retour. Ils préparaient leur retour parce qu'ils savaient que la véritable vie qu'ils avaient à vivre, c'était de l'autre côté. Et là où ils sont ici, sur le plan physique, c'est pour préparer ce retour. C'est pour préparer ce retour. Oui, donc...
Vous allez donc vous rendre compte que ils n'avaient pas, les Égyptiens n'avaient pas de grandes maisons, n'avaient pas de non, mais plutôt leur tombe était faite avec une sorte de finesse, avec de la beauté, avec Dis-le. Des détails, parce qu'ils savaient que c'était leur dernière demeure, c'était là-bas leur véritable ciel, c'est là-bas où ils devaient désormais vivre pour l'éternité. Ils préparaient leur retour. C'est pour ça que les tombes étaient tellement, c'était tellement bien fait, c'était chic, bien dessiné, bien peint, fin. Parce qu'ils avaient conscience que la véritable vie n'est pas celle qu'on vit ici, mais c'est celle qui est de l'autre côté. Donc ici, on se prépare à aller de l'autre côté. C'est pour ça qu'on dit, comme il y a cette vie et ceux qui viennent et d'autres qui reviennent, si on a mal vécu dans cette vie, quand on va partir, ce sera difficile de l'autre côté. Et quand on va revenir, on reviendra avec des déficits. Parce qu'on s'est mal préparé. C'est très important de comprendre. Donc les gens qui vivent au jour le jour, qui font ce qu'ils veulent, qui sont vraiment, pour eux, la vie est rose, on fait tout ce qu'on veut, eh bien, ce n'est pas ça. Les retombées sont très graves. Maintenant, on va donc voir des personnes qui se sont même bien comportées de leur vivant, mais qui vont mourir et stagner, qui ne vont pas pouvoir évoluer. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres se sont mal comportés. Et cela retombe sur eux. Ça revient comme étant un poids, un très lourd poids sur eux, qui va venir amenuiser la masse de bonnes choses qu'ils ont faites. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les maladies transgénérationnelles. Les enfants n'ont rien fait, mais ils vont subir les dégâts que les anciens arrière-grand-mères ont fait. C'est pour ça qu'il est important de vivre en étant conscient que de l'autre côté, on continue. Et aussi en étant conscient que par le lien des gènes, si on ne paye pas ces dégâts que nous avons faits sur le plan physique, ceux qui vont porter nos gènes seront obligés de payer ces choses. Donc, le kamite, l'Africain devrait vivre en se souciant de son lendemain mystique, en se souciant de son lendemain éthérique, en se souciant de son lendemain invisible. C'est comme ça que les anciens pharaons le faisaient. On ne vit pas au jour le jour. On vit en se préparant. Parce que de l'autre côté, on aura besoin de ses forces. C'est pour ça qu'il faut mettre des mécanismes en place qui font en sorte qu'après que tu sois parti, que tu ne souffres de rien de l'autre côté. Que tu as enseigné tes enfants comment vivifier les morts. Que tu as enseigné à tes enfants comment est-ce qu'on purifie. Tu leur as enseigné comment est-ce qu'on convoque. Tu leur as enseigné qu'est-ce qu'il faut faire après la mort. Tu leur as enseigné les rites funéraires. Donc tu es sûr que le jour où tu pars, Mobali, tes enfants vont faire tout ce job pour toi. Et c'est donc ça en réalité ce que tout Africain devrait faire. De préparer sa partance par sa généalogie, par sa génération, les enfants qu'il a fait naître. Et de créer une communauté. Parce que Mobali, tu sais très bien qu'aujourd'hui, si tu bouges, Mountou fera tout le travail pour toi. Kemarat fera le travail pour toi. Batenassi fera le travail pour toi. Toutes ces personnes-là qui t'ont écouté et que tu as changé leur vie, t'allumeront une bougie. S'il y a 7 millions ou 10 millions de personnes qui t'allument une bougie, Mobali, laisse-moi te dire que tu vas avoir une énergie d'un barrage hydroélectrique. Et cela va te propulser de l'autre côté. C'est donc ce qu'il faut faire. Préparer notre partance. Waouh. Bon, je ne suis pas pressé de partir, mais quelque part, je suis un peu rassuré. Je suis rassuré que j'irai avec du turbo. Et que mes ennemis, une fois qu'ils sont partis, eh ben, je vais les regarder sur le rétroviseur. Non, mes frères. Non, mais c'est quand même flippant. Tu sais, quand tu le dis, et quand, vraiment, si on réfléchit, ça fait quand même peur. Parce que tu vois... on nous a éduqués pour avoir peur des morts, pour avoir peur de la mort. Et du coup, on prépare pas ces choses. Si, on prépare la mort, mais disons, tu prépares, tu sais, comme les gens qui sont en locodermie, hein, on sait bien que c'est pas facile, les histoires de le corps qui doit repartir au pays. Donc, tu mets un peu de sous pour que au moins ces choses-là, pour que les dettes des enfants... Voilà, ça, c'est le type de préparation qu'on fait. Mais on ne fait pas la préparation pour moi de ce que je vais... Non, on fait la préparation pour ne pas laisser mes enfants dans la merde. Mais ces mêmes enfants qui ne vont même plus prononcer mon nom, qui ne vont pas donner mon nom à leurs enfants, qui vont m'oublier, qui ne vont même pas mettre de photos de moi. Donc, ces mêmes enfants-là, c'est eux que je veux... tu vois, qui n'aient pas de dette. Tu vois, c'est ça qu'on... Et on fait, en général, quand on dit préparer la mort, on parle très souvent de... Comment on appelle ça? Tu sais, les biens. Les obsèques. L'héritage. Manger, inviter des gens. L'héritage, tu vois.
pour que la famille ne se déchire pas. À la rigueur, ça, c'est des choses, à la rigueur, qu'on nous a enseigné à préparer. Mais tout ce que tu as dit là, pour que son cas là, il aille où là où il doit partir, toute cette partie-là, elle a été oubliée. Et aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce qu'il y a encore des ancêtres africains? Parce que frère, si tu ce que tu dis, parce que même si ceux qui ont eu ce statut d'ancêtre, et on ne fait plus de rituels pour eux parce que la communauté est devenue musulmane, parce que la communauté est devenue chrétienne, alors qu'il y a 2, 3, 500 ans, tu vois, ils avaient encore de l'énergie. Aujourd'hui, là où même ils sont enterrés, c'est devenu une forêt, je veux dire, il n'y a plus rien. Ces personnes-là, est-ce qu'elles ont encore l'énergie qu'elles étaient censées, même si elles ont le statut d'ancêtre? Tu comprends ce que je dis ou pas? Je comprends très bien, j'ai compris ta question. Ici, on parle de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Ceci dit, lorsqu'une personne a été vivifiée, lorsqu'une personne a déjà atteint le grade d'ancêtre, eh bien cette personne a désormais la capacité de venir en aide. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'une fois que cette personne a atteint le grade d'ancêtre, cette personne peut maintenant guider aussi les morts qui sont de l'autre côté. Cette personne peut venir, non seulement en rêve, mais venir dire aux vivants de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. Oui, mais ça je l'ai compris. Ça, je l'ai compris. Mais imaginons quelqu'un qui a fait du bien dans sa communauté il y a 500 ans en arrière. Et cette personne, plus tard, son peuple va devenir chrétien ou musulman. Et du coup, tout le monde l'a oublié parce que ceux qui sont venus, les locodames qui sont venus, ont interdit les rituels. Ceux qui sont venus ont fait en sorte que là où il a été enterré, par exemple, on a mis une église. C'est exactement ce que faisaient les chrétiens lorsqu'ils venaient en Afrique. Donc, ces personnes-là, tu ne vas pas me dire qu'elles ont la même énergie qu'elles avaient avant que les locodames arrivent. Non, si? Non, ce n'est pas possible. Elles n'ont pas la même énergie. Elles n'ont pas la même énergie. La preuve, c'est que si on vient mettre une église sur ta tombe, ça veut dire qu'on pompe toute l'énergie de ta tombe. Ça veut dire qu'on te vide littéralement. La question c'est, est-ce que maintenant les Africains ont encore des ancêtres? Parce que ce que tu me dis là, tu peux être ancêtre, ok, mais il faut que les vivants continuent à faire des rituels parce que tu as besoin de leur énergie, comme eux, ils ont besoin de ton énergie. Mais si, je veux dire, on ne met plus de carburant, plus personne ne prononce ton nom, même là où tu as été enterré, on a mis un centre commercial. Au bout de 500 ans, au bout de 1000 ans, frère, je veux dire. Non, c'est clair. Je comprends très bien la question que tu poses. Pour ces cas-là, de manière particulière, ça, c'est différent parce que ces personnes-là vont être vidées. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, Moubali. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ouais, mais est-ce que... C'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Il y a des... Qui... Alors, je te pose la question. Si on est d'accord, si on est d'accord sur ce principe-là, d'accord, si... Je cherche juste à réfléchir et je veux qu'il y ait de la cohérence, tu vois. Je veux au moins comprendre. C'est pour ça que je pose ces questions. Tu as dit que la personne, elle va se vider. Mais l'Afrique, c'est un continent énorme. Et quand je regarde la grande masse, les gens ne célèbrent pas leurs ancêtres, mon ami. Et les gens ne peuvent pas célébrer des ancêtres d'il y a 500 ans. Les locodermes le font, peuvent célébrer des ancêtres d'il y a 2000 ans. Ils peuvent célébrer, ils peuvent prononcer des noms. Quelle est la famille africaine, les Africains lambda là qu'on rentre à Châteaurouge, qui peut me sortir un nom d'un ancêtre d'il y a 500 ans, qu'il y a 600 ans, il y a 1000 ans? Okay, je te le dis, la plupart d'entre eux, tu demandes même à partir de... Je vais te répondre de manière très claire. Lorsque nous faisons des rituels et que nous convoquons nos morts et nos ancêtres, même la personne la plus forte ne peut pas remonter sa généalogie jusqu'à la 15e ou la 16e génération. Ça veut dire qu'il y a des noms qu'on ne va pas appeler. Pas parce qu'on ne veut pas les appeler, mais parce qu'on n'a pas pu arriver jusqu'à eux. Mais parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous sommes continuellement liés et rattachés à ces personnes, nous allons dire que nous convoquons toutes ces personnes, même ceux dont nous avons oublié les noms et dont nous sommes connectés avec eux. Lorsque nous le disons, l'énergie va jusqu'à eux à une manière, à une fluidité qui n'a pas de nom. Donc même si vous n'avez pas les noms, même si vous avez oublié ces personnes, en faisant la libation, j'appelle mes morts. Et le code même qu'il faut faire, c'est que vous donnez à la personne que vous savez qu'elle est forte et vous dites, va et donne aux autres dont je ne connais pas les noms.
va aider nos autres qui sont de l'autre côté, que moi je ne connais pas, que je n'appelle pas parce que j'ai oublié. Va et donne pour eux. Donc, ça, c'est des choses que nous faisons au quotidien dans nos rituels. Nous vivifions même les morts qu'on ne connaît pas. Nous vivifions même les... C'est-à-dire des ancêtres idéologiques, toutes ces personnes qui sont mortes depuis et qui, peut-être sur leur tombe, on a mis des centres commerciaux, on a mis toutes ces choses. On sait qu'ils ne vont pas mourir. Parce que nous, chaque jour, en faisant des rituels, nous pensons à eux. Et nous savons que la pensée est une activité électrique, Moubali. Par la pensée, nous renflons le cas de ces morts. Par la pensée, nous vivifions le cas de ces morts. Par la pensée, nous ravivons et nous sublimons même le cas de ces morts. Lorsque nous prononçons le nom d'un mort, il sourit de l'autre côté. Et très souvent, c'était dit qu'eux aussi, là-bas, ils prononcent notre nom. Ce qui revient à dire que le lien ne part pas. Même si on n'a pas leur nom, le fait de dire que tous ceux qui sont de mon clan, de ma lignée, tous ceux qui ont porté mon sang, je fais cette libation pour eux. Et Moubali, tous ceux qui ont porté ton sang, ou tous ceux qui ont porté le sang que tu portes, peu importe, il y a de cela 50 milliards d'années, cette libation, cette énergie va remonter jusqu'à eux. Sans embâche, sans escale, sans embûche. Donc, c'est très clair. C'est très clair, frère. C'est très clair. Et j'applaudis. Qu'est-ce que tu dirais? Tu sais, des fois, on porte, nous autres, les Africains, des fois, on a des noms que pour les locodermes, ils trouvent que c'est imprononçable. Alors du coup, ils font des raccourcis. Tu vois? Ils font des raccourcis et du coup, bah, tu finis par l'accepter au travail. Tu vois? Donc, ouais. tu t'appelles Kinwani, bah, on va t'appeler Kiki. Ou bien on va t'appeler Kinou. Tu vois? Parce qu'en fait, ils trouvent ça compliqué. Donc, et puis toi, bon. Et puis, comme bon nègre, hein, tu as fini par l'accepter. Est-ce que ce sont des choses qu'on devrait faire lorsqu'on est kémite? Est-ce qu'on devrait forcer les locodermes, toutes les personnes, à bien prononcer nos noms? Même si apparemment pour eux, c'est compliqué. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Je comprends très bien ce que tu dis, Moubali. Et ce qu'il faut faire avec violence, je le répète, ce qu'il faut faire avec violence, c'est de dire à chaque fois que quelqu'un prononce mal ton nom, qu'il a mal prononcé, et faire en sorte que cette personne prononce bien ton nom. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la charge mémorielle du nom. C'est en partie la raison pour laquelle, lorsque nous entrons en contact avec une personne, ou un individu particulier, par le nom, par le son de son nom, on peut savoir d'où il vient, ou même qui il est jusqu'à un certain niveau. Donc le fait de mal prononcer le nom d'une personne modifie la vibration de son nom. Ce n'est plus Moubali. Si je dis Moboli, ce n'est plus Moubali. Aucun des ancêtres de Moubali ne va se reconnaître dans ce Moboli que j'ai dit. Si au lieu de dire Sop, tu dis Sop, ce n'est plus moi que tu es en train d'appeler. Tu es en train de déformer l'énergie de mon nom. Et cette énergie va être perdue parce qu'elle ne va nulle part. Donc, il est important de comprendre que cette chose-là, on l'appelle les composants énergétiques du nom. Il faut prononcer le nom avec la vibration, avec le son. Et on dit bien que c'est de l'énergie acoustique. Parce que le fait de bien prononcer, on renfloue aussi les morts de l'autre côté. Cette force-là arrive jusqu'à eux. Donc, mal prononcer le nom d'une personne, c'est quelque part dénominer cette personne, retirer le nom de cette personne. Donc si un locodème prononce mal ton nom, tu lui dis droit dans les yeux, je m'appelle Sop. Je m'appelle Sop. Et comme ça, deux, trois fois, il comprendra qu'il ne va jamais s'amuser à prononcer mal ton nom. Et c'est par là que le respect commence. Donc tous ceux qui acceptent qu'on prononce mal leur nom, eh bien, tant pis pour vous. Vos ancêtres même sont en colère contre vous. Parce que vous n'arrivez même pas à défendre votre propre nom, votre propre identité, ce qui fait ce que vous êtes, et ce qui vous connecte à eux. C'est triste et c'est dommage. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Parce que chaque fois qu'un blanc te dit comment tu t'appelles, et au lieu de dire que je m'appelle Moubali Makassi, tu dis je m'appelle Jean-Pierre. Eh bien, lorsque tu le fais, le blanc comprend très bien qu'il est supérieur à toi. Dis-le. Et lorsque tu le fais, tu es en train de dire au blanc que je suis inférieur à toi. Dis-le. Il te demande comment tu t'appelles, tu lui donnes le nom de ses ancêtres à lui. Ça, c'est une aberration.
C'est indiscutable, c'est une erreur, c'est une grossière erreur. Mobali, le nom, c'est une identité. Le nom est une force. C'est dans le nom que tout existe. Le nom est la barque qui porte le reste des constituants de l'être. Parce que si on dit que nous avons 9 constituants, on va parler du cap, qui est le corps physique. On va parler du saou, qui va être donc l'enveloppe physique. Après, on parlera du kaibit, qui est notre ombre. On parlera du ba. Le ba qui est ici, l'âme. On parlera du ka. Le ka qui est la force vitale transcendantale. On parlera du ak, qui est l'esprit lumineux. On parlera du ib, qui est la conscience, le cœur. On parlera du septième, qui est donc cette force-là. Mais le dernier, c'est le règne. Le règne ici, c'est le nom connu. C'est la parole cachée. Ce qui révèle l'essence même de notre personne. Et c'est dans le règne qui, le dernier, porte le reste des noms. Pourquoi? Parce qu'on va dire le ka. C'est le cas de qui? Le cas de tel. Le cas d'Omotunde. Le cœur d'Omotunde. Le corps d'Omotunde. Ceci d'Omotunde. Donc, le nom contient tout. Et si vous acceptez de porter le nom d'une autre personne, ça veut dire que vous acceptez de ne pas exister. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Si vous acceptez de porter le nom de quelqu'un d'autre, de porter le nom de ceux qui ont fait violer vos mères, qui ont fait tomber l'Afrique, vous acceptez de ne pas exister. Vous acceptez simplement de ne pas exister. Parce que si vous portez le nom de ces gens-là qui ont été des bourreaux de votre peuple, eh bien vous devenez vous-même un traître de votre propre peuple. Wow. Le nom est capital, Mobali. Le wow. nom est important, Mobali. Le nom, il est sacré. Mobali, le nom, il est sacré. Wow. Le nom, ça veut dire que si tu acceptes le nom d'un locoderme, tu acceptes de ne pas exister. Mais le pire, tu acceptes de le faire. Lorsque tu fais venir un enfant, lorsque tu as un enfant qui vient de naître et que tu lui donnes un locoderme, tu refuses qu'il existe. Ça, c'est encore pire. Ça veut dire que si un enfant vient de naître et que tu lui donnes le nom de locoderme, Mobali, laisse-moi te dire que cet enfant n'a pas encore commencé à vivre, que tu l'as déjà tué. Parce que le locoderme ne donnera jamais un nom africain à son enfant. C'est impossible. Dis-le. Le locoderme ne donnera jamais un nom d'Africain ou de Noir à son enfant. Mais nous, chaque jour, on donne les noms de locoderme à nos enfants. Cela est la preuve que nous n'avons pas d'identité ou que nous avons perdu notre identité. Ou encore, plus violemment, on n'existe pas. Parce que ce qui n'a pas de nom, Mobali, n'existe pas. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Waouh. Quand vous allez demander à un Chinois comment est-ce qu'il s'appelle, il va dire qu'il s'appelle Yang Pachang. Point barre. Il n'y a pas à tourner, à contourner. Non, non, non. Donc moi, je n'ai pas caché mon nom Yambasa. Non, je n'ai pas caché ce nom-là. Je n'ai pas caché ça. On va m'appeler de cette façon. Et vous serez obligé de m'appeler comme ça. Parce que plus vous le faites, plus vous rechargez mes morts. Oh, plus j'accepte d'être appelé de cette façon, plus mes morts de l'autre côté sont rivugurés. Chaque fois qu'on dit Mobali, Makasi, tous tes morts et tes ancêtres de l'autre côté sont renflouants en énergie. C'est très important et c'est très capital. C'est pour ça qu'il faut porter des noms. Les noms ont des significations, Mobali. Les noms ont des significations. Moi, je m'appelle Sob. Sob, ça veut dire chef. Ça veut dire chef. Ça veut dire celui qui est dans la primauté, comme on dit. Celui qui doit grainer, celui qui doit gouverner, celui qui doit guider, celui qui doit encadrer le peuple. C'est celui qui est né à la chefferie. Donc, nous devons porter des noms qui sont significatifs. Mais pourquoi tu t'appelles pas Brian? Les noms négro africains sont significatifs. Sob, pourquoi tu t'appellerais pas Brian? C'est pas mal. Mais mon frère, Brian, c'est peut-être un branleur dans la côte de France, quelque part là-bas, je ne sais pas. Ça ne me concerne pas. Parce que c'est vrai, frère, quand tu me donnes la définition de ton nom, le respect déjà, tu vois, même si je ne te connais pas, quand tu me dis, voilà, mon nom, il veut dire ça, il veut dire ça, ça, je te dis, je connais pas ta culture, mais quelque part, je dis, waouh, cette personne-là, elle doit être importante. Mais tu es un noir, tu t'appelles Alain, tu t'appelles Jean-Claude, tu t'appelles Gérard, tu t'appelles, je sais pas quoi, je veux dire, y a aucun, tu peux même pas l'expliquer. Hervé le filon, Jean-Pierre l'enclume, vraiment,
Après, on va s'étonner de les voir avec des nez d'enclume, des lèvres en forme de rail, des nez comme des soupapes d'avion. Mais c'est terrible. Leurs noms n'ont pas de sens. Comment on fait pour porter ces noms? Et les gens vont venir dire, oui, ce sont les noms des saints. Il n'existe pas de saints. Oh oh. Les noms qui sont dans les calendriers, les 360 poussières de noms qui sont dans les calendriers, on dit ce sont les noms des saints. Ce ne sont pas les noms des saints. Ce sont des tortionnaires. Ce sont des bandits. Ce sont des voleurs que l'Église a pris pour venir massacrer et piller l'Afrique. Et parce qu'ils ont rendu hommage, parce qu'ils ont fait du bien à l'Église, parce qu'ils ont servi l'Église, on les a canonisés saints. Donc, voilà donc des gens qui ont tué, volé et pillé l'Afrique. Donc, vous commencez à porter le nom en disant qu'ils sont saints. Saints de quoi? Ils sont saints pour les Lekodem. Ils ne sont pas saints pour nous. Pour nous, ce sont des bandits, ce sont des violeurs, ce sont des voleurs, ce sont des destructeurs. Il n'existe pas de saints. Ça n'existe pas. Waouh. On va voir Mobali. Quand je parlais de guet-apens énergétique, on va voir aujourd'hui des rues de nos quartiers qui portent toujours les noms de Lekodem. On va dire rue Foucault, avenue Charles de Gaulle. Chaque fois que vous prononcez le nom Charles de Gaulle, Oumyobé vous maudit, Douala Manga vous maudit. Tu peux t'imaginer le nombre de centaines de personnes qui prononcent ce nom parce qu'ils veulent emprunter un taxi pour aller à cet endroit, Mobali, par jour. Est-ce que tu connais le nombre de masses, cette masse énergétique qui sort de Douala pour aller vers ce Charles de Gaulle? C'est un vol. Ils l'ont fait exprès. Parce qu'en mettant ces noms dans ces carrefours, chaque fois qu'on va prononcer ces noms, nous sommes en train d'envoyer de l'énergie de manière inconsciente à ces personnes-là pour que même si le plan subtil de l'autre côté, ils continuent de nous mater, de nous massacrer. Et ça, on n'a pas encore compris ça. On n'a pas compris ça. C'est très important de noter, de mentionner ça, parce que les gens vont se dire, oui, mais le nom, mais c'est non, mais le nom, c'est tout. Le nom contient tout, Mobali. Dans le nom, il y a tout. Tout existe dans le nom. Atom lui-même, la source primordiale, qui s'est fragmentée en plusieurs. Ce sont des différents noms qu'elle a donnés. Atom fait chou. C'est un nom, c'est une déclinaison. Donc, Atom s'est décliné par le nom. Atom fait Tafanouté. Atom fait Gaba. Atom fait Nouté. Ce sont des déclinaisons. Sur le plan fractal, c'est lui, mais sous plusieurs noms. Le nom, c'est la vie, Mobali. Le nom est sacré. Donc, wow. Les frères et les sœurs doivent comprendre qu'ils doivent se déposséder de leur ancien nom, le nom de Lekodem, pour arborer leur nom africain. La preuve, quand j'étais au collège, j'avais fait cette expérience. Un ami, un jour, prend son téléphone, il tape mon prénom, que je vais taire parce que je le maudis. Et il commence à décrire ce que ce prénom-là est, l'étymologie de ce prénom. Et pendant qu'il était en train de parler, mon balai, j'étais offusqué. J'étais estomaqué de voir que c'était moi qui l'étais en train de décrire. Oh! Oui, parce que le nom que vous portez a une charge. Ce nom a une histoire. Ce nom a une énergie. Ce nom est lié à quelqu'un qui a fait des choses. Donc, on décrit cette personne. Et comme tu portes son nom, tu désormais te comportes sur le plan énergétique et même physique comme cette personne. C'est une sorte d'envoûtement. Mais mon frère, tu sais, moi, je connais beaucoup de personnes. À l'époque, quand j'étais plus jeune, il y a eu toute une série de films américains et je connais beaucoup de personnes qui ont pris les noms des méchants dans les films américains. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup, frère. C'est toute une génération et tous les frères qui ont mon âge savent bien de quoi je parle. Ils ont pris, pas le nom des gentils, mais le nom des méchants dans les films américains. Donc là, c'est comment? Là, c'est pas un suicide. Mais là, c'est que tu n'as même pas commencé à vivre, tu te crées déjà des problèmes. Tu portes déjà le nom d'un gars qui a passé son temps à tuer les gens dans les films. Eh bien, tu auras de gros soucis dans ta vie parce que ces noms-là ont une charge. Elles ont une charge. Il y a des gens qui s'appellent Al Capone. Tu connais des gens? Il a pris le nom d'Al Capone. Non, mais frère, rigole pas. Je dis la vérité, c'est la vérité. Il y avait un méchant dans un film, dans les films à l'époque quand j'étais jeune, il s'appelait Elsass. Les gens, ils ont pris le nom Elsass.
Je connais toute une génération. C'est très mauvais. C'est très mauvais parce que lorsque j'ai eu à faire ce débat avec Tété, il m'a fait comprendre que le prince Dikanyambolambela disait que le nom, ton nom, c'est toi, fais son. Ouh, ça veut dire que encore. Ton nom, c'est toi dans ta totalité, mais sous une forme du son. Ça veut dire que l'énergie même qui est déployée dans l'acoustique influence déjà ta vie. Ce que tu dis est vrai, mon ami. C'est vrai. Ce que tu dis est vrai parce que si on prononce mal ton nom, on déforme ton énergie. Tu sais pourquoi on te déforme par là. Tu sais pourquoi je te dis que ce parce que tu dis. Si on dit Mobali, ce que tu entends, Mobali, c'est la forme son de Mobali. C'est pourquoi si on a ton nom, Mobali, on fait de toi ce qu'on veut, parce qu'on a ton nom. Donc c'est toi, mais qui est fait son. Donc c'est dangereux de porter des noms qui ont une très mauvaise connotation. Tu sais que je suis d'accord avec toi parce que, par exemple, dans le domaine de la musique, de l'art, il y a des personnes qui ont fait carrière avec un nom et pour des raisons de droit, de machin, décident de changer de nom. Le même artiste, hein. Il y a des cas comme ça, je n'ai pas envie de donner des noms, mais ceux qui sont un peu fans de musique, déjà, vous pouvez. Les exemples, ce n'est pas ce qui manque, d'accord ? Ou des fois même des groupes, pour X raisons, pour les problèmes de droit, des machins de trucs, pour récupérer les bandes, machin, ben, ils changent de nom. Mais bizarrement, tous ceux qui ont fait cette expérience-là, de changer de nom ou changer de nom de groupe, le même groupe, mais pour des raisons de droit, je veux dire, ils n'ont jamais eu le même buzz, ils n'ont jamais eu le même truc. Et des fois, certaines personnes reviennent à leur ancien nom parce qu'ils remarquent qu'en fait, ça ne marche plus. Donc, ce que tu dis, que le nom, c'est quand même important. C'est important. Ça, c'est un exemple, par exemple, c'est clair, c'est déjà arrivé. On a déjà vu ça. Justement parce que le nom, à un certain niveau, devient un égrégore. Dis-le. Il devient un égrégore. Il devient une force, il devient une énergie qui est consciente désormais et qui vit, qui marche, qui se déploie. C'est pour ça que lorsqu'on porte les noms de ces égrégores calendaires qui pillent, qui volent et qui matent nos propres égrégores, qui matent nos noms, nous sommes en train de nous mater nous-mêmes. Parce que nous sommes en train de célébrer ces égrégores calendaires qui tuent les nôtres. Nous célébrons les noms qui tue les nôtres. Nous célébrons les divinités qui tuent nos divinités. Donc, lorsqu'on comprend que jusqu'à un certain niveau, le nom peut devenir un égrégore et qui peut désormais se déployer seul, eh bien, si vous changez le nom, vous êtes simplement en train de quitter sur ce réseau énergétique pour vous connecter à autre chose. Donc, du coup, tout ce qui se passe dans ce réseau, vous vous déconnectez de ça. Vous ne bénéficiez plus de ça. Dis-le fort. C'est clair. C'est clair. C'est pour ça qu'un nom qui signifiait peut-être la maladie et qui rendait un enfant malade toute sa vie, le jour où on change de ce nom, cet enfant n'est plus malade. Qu'est-ce qui le rendait malade? L'énergie du nom qui le rendait malade. C'est tout. Frère, passons au cas concret. Cas concret, j'écoute l'émission, ma femme est enceinte. Bon, je voulais donner le nom de Brian, mais finalement, quand j'ai écouté le frère Sob, j'ai dit « Waouh, c'est chaud ». Donc là, je vais quand même y réfléchir. Donc je vais discuter avec madame pour dire que vraiment le nom là qu'on avait prévu de donner à l'enfant là, c'est pas du tout du bon parce que sinon on va l'aider à mourir. Frère, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Une personne t'appelle, te dit frère, j'ai écouté le live là, mais ça m'a touché. Donc qu'est-ce que je peux faire? Cas concret. Pour ne pas tuer mon fils. Sur l'exemple que tu viens de donner, ce qu'il faut faire, c'est de faire une recherche identitaire. Je répète, il faut faire une recherche identitaire. Déjà comprendre, connaître le nom des gens qui étaient là avant nous, leur histoire, et de choisir un nom parmi ces gens-là pour l'attribuer à l'enfant. Maintenant, si elle nécessite de donner un prénom à l'enfant, ça veut dire que quelque chose qui va suivre son nom, il faut donner un nom qui rentre dans les langues
des traditions africaines. Pour que l'enfant continue d'être connecté à la terre-mère. Donc, c'est-à-dire que toi, tu ne conseillerais pas à un frère en disant, écoute, mon ami, j'ai une liste de noms là. Je suis allé sur un site, il y a toute une liste de noms africains. Choisis, prends celui que tu veux. Tu ne le dirais pas comme ça. Justement, il y a même des listes de noms swahili, des listes de noms yoruba, des listes de noms. Il y en a assez de noms africains. Mais on peut ou pas? Signification. On peut le faire. Sauf que, je précise, il faut connaître l'étymologie de ces noms et donner donc à l'enfant le nom qui est la définition dont on veut que cet enfant devienne demain. Exact. On ne donne pas le nom de manière à nous dire non, ça ne se passe pas comme ça. Exact. Il y a beaucoup de noms, oui, je veux que mon enfant devienne un puissant artisan. C'est un exemple. Tu vas donc chercher parmi ces noms-là, quel est le nom qui tend vers ça? Et c'est ce nom que tu donnes à l'enfant. Oui, c'est important. On a entendu parfois des gens s'appeler Mimbang. Mimbang, ça veut dire les testicules. Ça, c'est chez les peuples. Ouh là là. Ça, c'est chez les peuples du centre. Oui. C'est quoi ce blaze? Quand on appelle quelqu'un comme ça Mimbang, les gens vont rire. Oh, ça veut dire les testicules. Non, mais le fait qu'on ait donné son nom à cet enfant voulait simplement dire qu'on lui a donné la charge. Ouh. Pour continuer de rallonger sa lignée. Parce que vrai d'ailleurs. C'est le seul enfant de sa mère. Donc, on lui donne un nom qui veut dire la procréation. Ouh là là. Il détient dans les testicules de la lignée de la famille pour pouvoir rallonger le plus fort possible et le plus loin possible la lignée. Non, ça va être hilarant pour d'autres, mais sur le plan mystique, sur le plan idéologique, sur tous les plans, ce nom a un sens pur et profond. Ouh là là. Il a même un sens rectificateur et correcteur. Attends d'abord. C'est très 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 important. Attends d'abord mon frère. C'est quoi le nom déjà dans ta langue? Hein? Le nom, c'est quoi déjà? Mimba. Bon, les amis, je pense que je vais m'appeler comme ça. Je vais m'appeler Mobali Makassi Mimba. Le foreur. Mimba, je vais m'appeler Mimba le pétrole. Donc, c'est pour dire que les noms chez nous, ça a bugué, frère. Pour protéger l'enfant, soit on les donne pour connecter l'enfant à ses morts, à ses ancêtres, à quelqu'un de particulier, soit on les donne pour faire une référence à un totem, soit on les donne pour vivifier ou pour rendre hommage à quelqu'un, soit on les donne comme des noms de bénédiction, soit ce sont des noms qui sont des porteurs de force, ce sont des charges qu'on donne aux enfants. Ce sont les charges qu'on donne par le nom. On donne une charge. Alors, bon, attends, mon ami. Imaginons, j'étais en train de réfléchir. Imaginons, parce que ça, c'est le cas, c'est un cas de tout le monde. Même moi-même, y compris, tu vois. Moi, j'ai trois gosses et mes deux premiers enfants, j'ai donné des noms de locodermes parce qu'à l'époque, j'étais pas kémite. Il n'y a que le dernier qui a été épargné, tu vois. Il n'y a que le dernier qui a été épargné, mais les deux autres là, je les ai renvoyés en enfer. Donc il faut que je rattrape le coup. Comment je peux faire? Parce que là, ça me fait peur, tu vois. Comment je peux faire, alors que dans les papiers, j'ai mis des noms des locodermes, c'est mort pour eux. Comment je peux faire? Non, est-ce que je dois attendre qu'ils soient majeurs pour qu'on décide ensemble? Est-ce que je peux, en attendant de le faire officiellement, donner des noms, tu sais, qu'on va choisir comme ça, mais sans avoir fait de rituel, qu'est-ce que tu conseillerais? Mobali, oui. L'enjeu ici est très grand. On n'a pas besoin d'attendre que ces enfants grandissent pour leur demander leur avis si on change leur nom. Mobali, tu connais l'enjeu. Dis-le, frère. Chaque fois qu'on appelle ce nom, on recharge nos bourreaux. Mobali, tu supprimes les noms de ces enfants et puis tu commences à leur appeler par leur patronyme. Dis-le. Tu supprimes ces noms, Mobali, et désormais tu les appelles par leur patronyme. S'ils s'appelaient Mobali Jean-Claude Le Pineur, tu les appelles désormais Mobali 1.1. Et tu leur dis que désormais c'est comme ça qu'on devrait les appeler partout où ils passent. Ils doivent refuser d'être appelés par Yves, Laurent, je ne sais pas quoi, et qu'on les appelle Mobali. Maintenant, tu pourras donc chercher un nom
qui signifie ce que tu voudrais que ces enfants soient. Et Mobali, tu fais le rituel. En attendant qu'ils soient majeurs pour changer l'acte de naissance et changer les diplômes. C'est important de le faire. Et c'est ce qu'il faut faire. Waouh. Bah, tu m'as donné une bonne technique. Vraiment, là, cette question. Eh, les amis, dites-moi, hein, je pense que ça nous sauve tous. Parce que là, ah oui. Là, tu m'as donné dans le cas où pour nous autres, là, ceux du continent en général, quand on donne un nom de locoderme, il y a toujours un nom africain aligné. On donne le nom africain et on donne le nom de locoderme. Mais voilà. Pour mes certains frères à moi, certaines sœurs à moi, qui sont des Antilles, eh bien, eux, c'est la double peine. Donc, nom de locoderme, prénom, locoderme et tout ce qui suit après, là, c'est locodermie sur locodermie. Donc, là-bas, c'est la mort assurée. Comment ça se passe? Ah oui. Comment on peut faire? Et pour eux, on a une sœur. On a une sœur qui est dans ce cas, qui était dans ce cas, mais qui est venue au Cameroun par le biais de Batel Nassim, et on lui a donné un nom. On oui, lui mais a frère, ça, j'ai compris. Du nom. Mais pour ceux qui ne peuvent pas le faire, oui. J'ai compris ta question, je le prenais juste comme exemple. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, trouvez-vous un nom Kamit. Trouvez-vous un nom qui sied à ce que vous voulez faire. Et désormais, au quotidien, appelez-vous vous-même comme ça. Placez-vous devant le miroir et dites que désormais, je m'appelle tel, je ne m'appelle plus tel. Vous vous parlez à vous-même et vous le dites à vos amis, à vos camarades, à la famille. Et progressivement, les gens vont s'habituer à vous appeler par votre nouveau nom que par cet ancien nom de locoderme, de prenant locoderme, d'ancêtre locoderme, jusqu'à la mort locoderme. C'est le processus d'accepter d'abord de se déconnecter sur ce nom et d'adopter un autre nom. Tout en attendant maintenant la possibilité de le faire sur le plan rituel. Mais c'est le plus important déjà, c'est de se déconnecter de ces noms et de trouver un nom qui sied à ce que nous voulons être. La preuve, c'est que nous savons mieux que personne ce qu'on veut être, ce qu'on aspire faire. Donc, on trouvera mieux notre nom que quiconque. Voilà. Laisse-moi encore évoluer. Laisse-moi encore évoluer. Cas pratique. Ok, j'ai entendu ce que tu as dit. Je le pratique. Demain, je me regarde sur une glace et devant un miroir et je choisis un nom et patati patata. Tout cela va bien. Sauf que, comme je n'ai pas de réseau Kemit, je n'ai pas d'amis Kemit, je n'ai pas de... Tu sais, je suis seul dans mon coin. Moi, je regarde les vidéos de Mobali, mais au travail, il n'y a que des noms Kemit. Dans mon quartier, il n'y a que des noms Kemit. J'ai quoi? J'ai peut-être un ami Kemit ou deux. Je veux dire, je ne suis pas dans un milieu où il n'y a que des Kemit, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Donc, il y a peu de chances que les gens me connaissent sur ce nom-là. Tous mes anciens potes, tous mes collègues de travail, mon patron, tout le monde m'appelle avec mon vrai nom. Qu'est-ce qui se passe, même si j'ai choisi un nom, mais que personne ne le prononce au final? Ou il n'y a que quoi, une dizaine de personnes parce que je n'ai pas un bon réseau. Du coup, c'est juste une petite portion qui connaît ce nom-là. Mobali, ça sert à rien. Chaque fois qu'un ancien camarade va chercher à te contacter, il va t'appeler par ton ancien nom. Tu lui dis que désormais, tu t'appelles comme ça. Oh, mais il va dire, ah, arrête Alain, arrête tes conneries de Kemit. On t'a connu, c'est Alain, Moulino, le grand gars. Mobali, tu sais, quand quelqu'un arrête de rire, oui. Pendant que tu ris, c'est là où oui. Tu comprends que c'est sérieux, ce n'est plus la blague. Donc, il faut dire à ces gens, désormais je m'appelle tel. Ce n'est pas une discussion, mon frère, je t'informe. Si tu me respectes, tu m'appelles comme ça désormais. Mobali, ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas avec ça. Les gens Dis-le. Pensent que le nom, c'est une blague. Les gens pensent que c'est un peu non. On ne s'amuse pas avec Mobali. Tu dis, désormais, je m'appelle comme ça. Vous m'appelez désormais comme ça. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ce sera effectif, Mobali. C'est un combat. Ce n'est pas facile du tout. Même pour nous-mêmes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai encore mes petits frères. Ils m'appellent par mon prénom. Partout, on m'appelle par mon prénom. Les gens de la famille m'appellent par mon prénom, malgré qu'ils savent que je suis Kamit et que j'écrase le christianisme et l'islam à tous les niveaux. Donc, ils savent ça, mais ils continuent toujours de m'appeler par mon prénom. Mais la chose que j'ai constatée, c'est que malgré qu'ils m'appellent par mon prénom, à 30-40%, j'entends le Ndombi. Oh, le Ndombi, comment tu vas? Oh, le Ndombi. Donc, le fait que je m'appelle le Ndombi, eux aussi, commencent à m'appeler comme ça parce qu'ils entendent les gens m'appeler comme ça. Maintenant, même dans ma famille, il y a une partie qui m'appelle le Ndombi, même les mères, les pères, parce qu'ils entendent ça. C'est processuel, Mobali. C'est très processuel. Et je sais que d'ici 1 an, 2 ans, on ne m'appellera plus jamais par mon prénom, mais on dira le Ndombi, soit on dira Sop, soit on dira Téné. Parce que tu as fait un travail c'est pour processuel. Ça. C'est processuel. Tu as fait un travail pour ça. Mobali. Donc, ça peut prendre du temps, mais il faut le faire. Oui.
Il faut le faire, Mobali. Si tu veux vraiment le faire, tu vas le faire. Si tu es déterminé à le faire, tu vas le faire. Et surtout, si tu connais les enjeux de porter un nom locoterme, si tu connais les enjeux de porter un nom qui te massacre, qui te masque, qui t'appuie, et un nom qui t'empêche de te connecter à ton ancestralité, je pense que après cela, des gens vont supprimer même leur nom sur les réseaux sociaux. Ils vont changer le nom. Parce que le nom Mobali, ça a été une tuperie. La preuve, ils ont dit prénom avant le nom. Que veut dire prénom? C'est le préfixe, ça veut dire bien avant le nom. Donc tu t'appelles d'abord Jean-Claude avant de t'appeler Mobali. C'est Jean-Claude Mobali. Donc, quand on t'appelle, l'énergie part d'abord chez Jean, après ça part chez Claude, et après maintenant vraiment 1% va, ça va partir chez Mobali. Mais frère, encore c'est une question pratique. Ce qui se passe. Question pratique. Une sœur Kémite. Sœur Kémite, mais comme je te l'ai dit, frère, le problème, c'est que tu peux être Kémite et avoir un mauvais réseau. Donc, mauvais réseau, la sœur est avec un gars. Mais le gars ne l'est pas. Et il y a un mariage. Donc, la sœur, elle, elle a pris son nom, Kémite. Et comme il y a le mariage, eh bien, maintenant, elle va s'appeler Madame Untel, nom de locoderme, tu connais. Ou même, ce n'est pas un nom forcément, forcément locoderme, mais disons, c'est une famille qui porte un nom avec une charge à problème. Est-ce qu'à ce moment-là, on fait comment? Non, mais frère, je te le dis, moi, je pose des questions simples. Moi, je pose des questions, tu sais, de tous les jours que les gens, les vivants, peuvent avoir comme problème. Moi, je pose pas des questions, trucs compliquées. C'est des petites questions. Donc, frère, comment là, dans ce cas-là, c'est comment? Tu es quand même dans la merde, non? Là, il faut dire la vérité, tu es dans la merde. Tu es dans la merde, sauf que... Oui, il faut le dire. Tu es dans la merde, sauf que... Sauf qu'il y a une issue. Il ah y a bon une issue. Si c'est le divorce. Si c'est vraiment l'homme de ta vie, si c'est vraiment la personne que tu aimes, et que lui, il ne veut pas changer de nom, il veut continuer de s'appeler Hervé de la Poëlle, et lui, il n'y a pas de problème. Lui, tu vas t'appeler Madame Hervé de la Poëlle, parce que bon, c'est une institution étatique, c'est le mariage, on a signé les documents et tout. Mais maintenant, il y a un travail de fond qu'il va falloir faire. C'est de faire comprendre à ton gars l'impact du nom, l'importance du nom et les raisons pour lesquelles tu ne voudrais plus t'appeler de telle façon. Sans te faire l'offusquer, parce que s'il se rend compte que c'est parce que tu fuis son nom, non, tu devras lui dire que j'ai envie d'être appelé par tel nom parce que ce nom m'apporte ceci, ce nom me rappelle ceci, ce nom me donne ceci. J'aimerais bien que toi, désormais, tu m'appelles comme ça. Donc maintenant, le gars verra plutôt l'importance que ce nouveau nom va t'apporter. Et comme il t'aime, tu es sa femme, il va donc doucement et progressivement t'appeler comme ça. Ce sont des techniques. Ce sont des techniques. Il y a toujours des voies de contournement. Si tu es dans une famille vampirique avec un nom à problème, tu fais partie de cette famille. Mais il y a des rituels pour se couper de cette famille. Ça veut dire que leur charge, leur nom, tout ce qu'il y a de mauvais dans leur nom, par un rituel, tu te coupes de ça et tu n'es plus connecté à ce nom. Terminé. Ça, ça existe, Mobali. Ça existe. Et tout ça commence d'abord par la pensée, par notre mode de pensée. Tout ça commence par ça. C'est important de noter ça parce que tout, en réalité, tout se passe dans notre tête. Tout se passe dans notre tête. La preuve, c'est qu'on se donne des petits noms. On se donne des petits noms en couple et tout ça, on se donne des petits noms. Voilà. Donc, que ces petits noms soient des noms kamites, soient des noms significatifs, soient des noms à portée énergétique très grande, lumineuse. Comme ça, vous vous illuminez entre vous. Laisse-moi te poser encore une autre question. Pratique. On parle de noms, de l'importance des noms. Qu'en est-il des marques que nous portons? Quitte pour très souvent, ce sont des noms de personnes. Très souvent, ce sont des noms de divinité, locoderme, ou qui sont liés à de la spiritualité de locoderme. D'accord ? Qu'en est-il ? Est-ce que nous autres, là, Kémite, on ne devrait pas faire attention à cela ? Au Bali, on devrait porter un nom comme Nike sur soi, alors que Nike, c'est une divinité, par exemple. Est-ce qu'on devrait faire ça ? On devrait faire très attention, Mobali. Dis-le. Mobali, nous sommes en guerre. Ne portez plus Louis Vuitton. Ne Dis-le. Portez plus Yves Saint Laurent. Ne portez plus la Nike. Ne portez plus Adidas. Ne portez plus Givenchy. Ne portez plus rien de tout ça. Moi, j'ai le Bogolan.
Habillez-vous comme ça. Portez les tissus de votre terre. Créez votre propre marque. Habillez-vous avec votre propre marque en Amontou. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il y a des tissus pagne. Habillez-vous en pagne. Il y a de très beaux vêtements luxueux, fins, qu'on fait avec des tissus africains. C'est un enjeu, Mobali. Nous sommes en guerre. Parce que les gens sont friands de Nike. Parce qu'on a vendu Louis Vuitton. Parce qu'ils ont mis quelque chose dans ce nom. Des gens sont attirés pour aller déposer leur argent dans leur énergie, dans ces choses, pour renflouer encore et encore l'énergie de ces égrégores. C'est ce qui est même dangereux, c'est que Louis Vuitton, ses graffitis, ce sont les graffitis qu'il a volés en Afrique. Ça veut dire que si eux, ils ont volé des choses chez nous, qu'ils arrivent à faire des millions, des milliards avec ça, ça veut dire que nous, on peut faire pareil. Créons nos marques et boycottons leurs marques de merde. C'est tout. On a à ne plus porter ces trucs. Et moi, je connais des gens qui ne s'habillent plus comme ça. Ils font coudre leurs vêtements et ils portent un point, un trait. Chaque fois que vous habillez en Louis Vuitton, oh mes gars, attends, Louis Vuitton, mon pote. Et quand il dit Louis Vuitton, l'énergie s'en va là-bas, direct. Quand quelqu'un voit que tu as porté un Louis Vuitton, il commence à te regarder. Ah, mais le gars, il est bien habillé, la meuf, là, elle est vraiment bien. Toute cette énergie qu'il déploie s'en va chez Louis Vuitton. Les gens vont croire que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. C'est pour ça qu'ils peuvent sortir tout n'importe quoi et dire que ça coûte 6 000 euros et quelqu'un va l'acheter un chapeau à 6 000 euros parce qu'on a écrit Louis Vuitton dessus. C'est ça. Parce qu'ils sont renflouant l'énergie par les Africains tous les jours. Et bizarrement, eux, ils portent des vêtements non-name. Ils portent des vêtements non-name. Mobali, regarde Jeff Bezos et tous ces milliardaires vampiriques là. Ils portent des vêtements non-name. Ce sont les pauvres qui achètent les choses chères de Louis Vuitton, de Castel Baja, de Yves Saint Laurent, de Nike, d'Adidas, de Puma, de tout ça. C'est les pauvres qui les rendent riches et eux-mêmes, ils ne portent pas ça. L'enjeu est très, très, très élevé, Mobali. On est en guerre. On est en guerre. Waouh. On est en guerre. Mais ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que quand même, ces vêtements-là peuvent avoir un impact négatif sur nous, ces symboles peuvent avoir un impact négatif sur nous dans notre vie au quotidien sans qu'on puisse le savoir. Ah, Mobali, ça a un impact sur nous. La Dis-le. Preuve. Lorsque quelqu'un porte un Louis Vuitton et qu'il est dans la rue, il se sent automatiquement supérieur à toutes les personnes qui n'ont pas porté le Louis Vuitton. Ça, voilà l'impact que la personne a. Parce qu'un gars a porté une veste qu'on a écrit à l'intérieur Versace. Lorsqu'il arrive quelque part, son comportement change. Parce qu'il sait qu'il a porté Versace. Et comme tout le monde sait que Versace, c'est une très grande marque, du coup, quand on le voit avec Versace, tout le monde le respecte. On dit, ah non, le gars, là, il a l'argent. Donc, toutes ces choses nous impactent. Toutes ces choses nous impactent. La preuve, c'est que si les lieux dans lesquels nous allons nous impactent sur nos comportements, combien de fois les choses que nous portons directement, qui sont collées à notre chair, collées à notre énergie, Mobali, ces choses nous impactent. Lorsqu'une fille a porté une Louboutin et qu'elle entre dans un restaurant, regarde sa démarche. Ce n'est pas sa démarche habituelle. Mais parce qu'elle a porté une Louboutin, Louboutin modifie son énergie. Et elle va maintenant se comporter comme une fille pleine aux as alors qu'elle n'a rien dans les poches. Voilà donc les problèmes. Voilà les enjeux. Et maintenant, tout le monde se lance dans le paraître. Acheter des porte-monnaies qui sont chères. Porter des chaussures de grande marque alors qu'ils n'ont rien, ils ne sont rien et ils ne foutent rien pour la communauté. Lorsqu'il y a un problème, personne ne se déploie. Voilà le père Doumbi Fakouli qui est en prison. Personne ne poste des photos. Personne ne fait des vidéos. Personne ne fait des débats dessus. Personne ne publie. Mais si c'était pour aller dire que Louis Vuitton, c'est la meilleure marque, ça dépasse Yves Saint Laurent. On est fort pour faire des posts comme ça. On est fort pour dire des conneries comme ça. Mais sauf qu'on ne sait pas que pendant qu'on le fait, ils sont en train de pomper, de sucer nos énergies. Voilà donc l'enjeu, Mobali. C'est très dangereux. Tout à l'heure, tu as dit on peut changer, décider de changer son nom, on se regarde devant une glace et on le fait. Donne-moi un type de phrase type pour les gens qui souhaiteraient le faire, juste pour qu'ils aient un espèce de blueprint, qu'ils aient un petit modèle au cas où ils veulent le faire. T'as compris ? La chose qu'il faut qu'ils disent, je ne vais pas donner une phrase parce que le rituel, en tant que ritualiste, le rituel est constitué d'actes et de paroles qui sont intrinsèques, qui viennent de nous-mêmes. Ça veut dire que chacun saura les mots
qui sortira de son être profond, de son être intérieur, de manière intrinsèque, qu'il va dire à l'autre lui-même. Il est question ici de dire, je ne suis plus connecté à tel nom, désormais je m'appelle tel. Mettez tous les préfixes et les suffixes et tout ce que vous voulez comme commentaire, comme adjectif et tout ce que vous voulez. Mais que ces phrases et ces paroles sortent de votre être le plus profond et que vous soyez le plus honnête possible et que vous maudissez avec toute énergie possible ces anciens noms. Voilà, Mobali. Wow. En tout cas, frère, je ne vais pas te retenir longtemps. Je pense qu'on a fait le tour pour, concernant ce sujet-là du nom. J'espère que les amis vous avez aimé, mais j'aimerais juste qu'on ait encore une petite pensée pour notre doyen Ndoumbi Fakoly. Qu'est-ce que toi tu peux dire à la communauté concernant l'affaire de Ndoumbi Fakoly? Est-ce que tu penses qu'on se comporte de la meilleure façon? Est-ce que toi, étant Kémite, tu te dis demain, pour X raisons, je dis quelque chose qui ne passe pas, tu es emprisonné au Cameroun, malgré ce que tu fais à ton échelle. Est-ce que tu peux te dire que tu as une communauté de Kémites qui vont te soutenir, qui vont être là au moment où ça n'ira pas? Est-ce que quand tu vois le cas de Ndoumbi Fakoly, quand tu as vu le cas de le frère Kalala, quand tu vois comment toutes ces choses sont gérées, tu es rassuré? Mobali, je vais parler de ce que nous, ce que moi, ma communauté, Kemahat et Batem Nassim, nous faisons. Ce sont des choses qui nous tiennent à cœur, très 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 à cœur. Nous faisons des travaux au quotidien pour eux, pour ces personnes. Ce que je vais dire à la communauté Kémite, ce que je vais dire aux Noirs, aux Africains, qu'ils comprennent que nous sommes le seul peuple qui avons du mal à se mettre en symbiose pour une cause qui est noble et qui est nôtre. Les Juifs, même si un Juif a fait n'importe quoi, les Juifs vont d'abord soutenir leurs frères. Si un Chinois fait n'importe quoi, ils savent qu'il a fait n'importe quoi, mais ils vont quand même d'abord le soutenir. Mais nous, nous sommes les seuls que même quand on fait quelque chose qui est bien, personne ne vient nous soutenir. Donc j'invite ici toute la communauté noire, j'invite ici tous les Kamites, tous ceux qui se revendiquent être pour la cause du continent de Kama, de faire des libations, d'envoyer des forces et des énergies à notre père Ndoumbi Fakoly, qu'il fasse des invocations et des convocations, qu'il convoque Diop, Garvé, Lumumba Sankara, qu'il convoque Dika, qu'il convoque Madola, Boukman, Dessalines, qu'il convoque toutes ces personnes-là, Cabral, Yerere, tous ces gens qui ont combattu et qui font, qui ont fait de bonnes choses pour l'Afrique, tous ces gens-là qui, aujourd'hui, Ndoumbi Fakoly suit, et qui est en train de faire le même travail qu'eux, ils ont fait. Faites des libations pour eux. Faites donner des choses positives à ces gens, comme des offrandes, pour qu'ils puissent aider le père à sortir de là. Et aussi, mobilisons-nous sur le plan physique. Faisons des marches. Faisons tout ce qui est à notre possible pour le faire sortir de là. Je pense que si la communauté noire de ce pays, s'ils arrivent à faire une marche significative, je pense qu'ils comprendront que il faut qu'il fasse sortir le vieux. Il faut qu'il libère le père parce qu'il est incarcéré injustement. Et je vois donc des gens qui ne font pas de posts. Je vois des gens qui ne font pas de vidéos pour en parler. C'est triste. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Mais le père, il est malade. Le père, il est en prison. Il est malade. Tout le monde sait qu'il est malade. Mais comme ces gens n'ont pas d'état d'âme, ils sont en train de parler de Allah qui parle de la paix. Mais eux, ils sont en train de faire le contraire de la paix. Cela montre très simplement que leur Dieu ne vaut pas la peine parce qu'il ne se soucie pas de la vie d'un être humain. Tout simplement parce qu'il a décidé de dire quelque chose, de dire ce qu'il pense de quelque chose qui s'est passé. C'est très injuste. Donc je convoque tout le monde à faire du mieux qu'ils peuvent pour aider le Père, pour soutenir Ndoumbi Fakoly. Essaye de me dire le silence là. Si nous ne faisons rien, qu'est-ce qui risque de se passer? Si nous ne disons rien. Bon, Bali, si on ne fait rien, si on ne dit rien, ça veut dire qu'on est faible, ça veut dire qu'on a peur, ça veut dire qu'ils nous dominent. Et ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Et on sait bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous descendre. Ils veulent qu'on se stoppe.
Ils veulent nous arrêter. Ils veulent nous dominer. Si on reste tranquille, c'est la latence, Mobali. Dormir. On doit toujours être éveillé comme des soldats qui sont en guerre. On n'a plus conscience de ça. C'est très grave ce qui se passe avec le père Doumbi Fakouli. C'est très, très, très grave. Et les gens ne s'en rendent pas simplement compte. Nous ne devons pas rien faire. Nous devons faire quelque chose. Nous devons nous regrouper. Faire de tout notre possible pour qu'il puisse sortir. C'est important de le faire. C'est obligatoire, Mobali, c'est obligatoire. On est obligé de le faire. On doit appeler le nom de Doumbi Fakouli tous les jours et le confier aux ancêtres. Parce que imaginons que tous les Kémites du monde disent Doumbi Fakouli au moins 5 fois par jour. Son cas, son tout, tout son corps, tout ce qu'il va être renfloué en énergie. Ça pourra faire en sorte qu'on puisse sortir de là. Ça pourra l'aider. L'enjeu ici, il est aussi énergétique. Si vous ne pouvez rien faire sur le plan matériel, faites-le sur le plan mystique. Faites-le sur le plan spirituel. Asseyez-vous, parlez. Appelez même vos propres morts et vos propres ancêtres. Confiez-les à Doumbi Fakouli afin qu'on puisse le sortir de là. C'est ce que nous, on passe le temps à faire ici à Kemahat et à Baten Nassim. On convoque nos ancêtres, on convoque nos divinités et on leur dit, voilà Doumbi Fakouli, vous savez ce qui se passe. Faites-le sortir de là. Donc j'invite tous les Africains qui ont un respect pour la vie, qu'ils soient Kamit ou pas, mais qui ont un respect pour la vie et pour un homme de cet âge, qu'il prononce son nom et qu'il leur donne des bénédictions pour qu'il puisse sortir de là. C'est important. C'est très important. C'est capital. C'est vital. Nous devons le faire, Mobali. Nous devons le faire. On a tous été éduqués par ce père. On a tous eu un déclic par ce père. On a tous lu ses livres. On a tous été sortis de l'envoûtement religieux par ce père. On lui doit cette chose. Nous lui devons ça, Mobali. Nous lui devons ça. Et nous devons savoir que nous lui sommes redevables. Effectivement, Mobali. Et les gens ont la mémoire courte. Parce que ce n'est pas leur père. Ou ce n'est pas quelqu'un qui est lié à eux directement. Ils vont rester tranquilles. Non. Nous sommes en guerre, Mobali. Nous sommes en guerre. Et si quelqu'un parle de quelque chose qui concerne l'Afrique, il devient notre frère. Il devient notre frère de sang. Il devient notre frère de combat. Et nous Dis-le. Devons essayer d'être capables de donner de notre vie pour cette personne. C'est ça le patriotisme, Mobali. C'est ça Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Doumbi Fakouli est parce que nous sommes. Prouvons donc ça aux yeux du monde que nous sommes Doumbi Fakouli. Prouvons ça aux yeux du monde. C'est parce qu'on ne fait rien que ces gens continuent de le garder. Parce qu'ils ne voient pas de mouvement. Ils ne voient pas de bousculure. Ils ne voient pas d'intensité. Nous devons être intensifs. Nous devons nous mobiliser. Mobali, nous devons être violents parce que ces gens sont violents envers nous. Dis-le ! Il n'y a pas de pitié, Mobali. Il n'y a pas de pitié. Ils sont violents avec nous. Nous devons être 5 fois plus violents que eux. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Et ça a toujours été un rapport de force. Et je ne pense pas que les Africains sont faibles. Nous ne sommes pas faibles. On n'est juste pas conscient de notre force. Mais lorsqu'on sera conscient de notre force, Mobali, laisse-moi te dire, on bougera les choses même avec nos yeux. Wow. Et il faut que l'Africain comprenne ça. C'est très important. Chaud frère, chaud. Frère, là vraiment j'ai envie de me battre. Tu vois, là maintenant, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont les amis? J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller au front. Frère, Matondo. On va quand même parler de ce que tu fais aussi, parce que tu fais quand même en dehors de ça pas mal de choses, tu crées, tu es un artiste, et j'aurais bien voulu faire découvrir un peu au public qui ne sait pas que tu crées des choses intéressantes, de faire découvrir un peu ce que tu fais. Donc, je vais partager un peu certaines photos et tu vas un peu commenter. Mmh. D'accord ? Okay. Donc là, frère, qu'est-ce que ça, c'est ce que tu fais, hein ? Oui, ça, c'est ce que je fais. Ce sont les sculptures en bois de Mwenge et bois d'ébène. Donc là, on a la C'est pas les trucs que tu as acheté en Chine chez... C'est fait par mes propres mains, mon frère. C'est fait ici au pays, au bled. Le bois de notre terre-mère, Afrique, Kama. Nous devons être authentiques dans tout ce qu'on fait, Mobali. C'est très important. C'est très important d'être précis sur ce point. Là, on a Képri.
le symbole de la Renaissance, le scarabée, le soleil. Voilà. Donc, là, on a le padouk et on a le bois d'ébène. Ce sont des symboles comme ça que tous les Africains, tous les Kémis devraient avoir chez eux. Tout le monde devrait avoir ça parce qu'on sait ce qui est caché dans les symboles. On sait l'énergie qui est cachée dans les symboles. On sait la force et la vigueur qui se déploie à travers les symboles. Et ici, on parle donc de l'énergie scripturale. L'énergie scripturale, le fait d'écrire, le fait de dessiner, le fait de former, c'est une masse, ce sont des énergies. Voilà. On a donc ici Mahat avec la ankh en main. Voilà, avec toujours le scarabée. Donc, il y a tellement de choses que je fais. Je pense qu'il y a aussi une Ndiéouti, voilà, que j'ai sculpté tout récemment. Donc, ce sont des symboles comme ça que tout le monde devrait normalement avoir. Tout le monde devrait avoir. Et moi-même, d'ailleurs, j'en ai là, toujours chez moi. Parce qu'elles sont porteuses de vie, elles sont porteuses de force, elles sont porteuses, eh bien, de fluidité, surtout dont on a besoin dans notre combat. Ce sont des fresques qui protègent par leur essence l'ébène, des fresques qui ravivent la vie par leur essence le padouk, le mwenge. Donc, il est important d'avoir ces choses. Je fais plusieurs choses. Il y a des pierres aussi. Voilà, parce que j'ai aussi été formé dans la lithothérapie. Donc, connaître la connaissance des pierres, savoir ce que c'est que les pierres, qu'est-ce qu'elles apportent, quelles sont les différentes pierres, quelles sont aussi, non seulement les différentes pierres, mais quelles sont les spécificités de ces pierres. Donc, maintenant, les gens qui en ont besoin viennent me dire, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. J'ai tel problème, tel souci et autres. Je saurais donc maintenant, par cette étude, quel type de pierre donner à ces personnes. Et je pense qu'il y en a nombreux qui m'avaient déjà contacté et que je pense qu'ils ont été satisfaits. Et j'ai de très bons retours tous les jours. Donc, on a les symboles de Ankh, on a les symboles de, voilà, d'autres symboles de Kemet, l'Afrique, le triangle qui parle donc ici des pyramides. Je n'ai juste pas envoyé mes travaux, mes créations en Kori, des coiffes en Kori. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, mais comme je ne pouvais pas tout envoyer, il fallait qu'on lance le live. Donc voilà. Donc toutes les personnes qui auront besoin de ça, de me contacter sur le numéro qui est affiché. Voilà. D'accord. Donc le numéro, les amis, il est juste en bas, hein. 237 676 35 00 17. Sur WhatsApp, on peut directement te contacter, c'est ça? Directement, c'est direct, c'est direct. Ok. Donc allez-y, peu importe le pays, vous le contactez, pas de problème, les amis. Le frère, il est au Cameroun. Et puis, c'est une façon aussi de le soutenir pour qu'il continue à faire ce qu'il fait. Parce que si c'est un artiste et que personne n'achète ses œuvres, ben. Je veux dire, c'est pas intéressant. Il a besoin de se développer, il a besoin que ça puisse marcher. Donc, c'est intéressant qu'on puisse soutenir notre frère. Et c'est de ça que nous avons besoin. Frère, peu importe le pays, on est bien livré, pas de problème. Peu importe le pays, peu importe le pays, je livre partout, 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 partout. Il n'y a pas de blocage partout. Ok. Bah écoute, c'est plié. Alors, je sais. Alors, je ne sais pas si tu es la bonne personne pour en parler, mais tu me dis, normalement, il y a Batem Nassim qui organise un. Comment t'appelles ça? Le Les truc pistes initiatique, là. initiatiques. Hein? Les pistes, voilà. Les fameuses pistes initiatiques. Est-ce que tu penses que tu peux m'en parler vite fait, avant qu'on se sépare? Oui, les pistes initiatiques, c'est en juin. Les pistes initiatiques, c'est en juin. Et voilà, ce sont hautement sacrés où les personnes qui viendront pourront donc être connectées à la source, connectées à la terre. Les personnes qui viendront seront donc, eh bien, renflouées en énergie par des rituels bien précis de purification, d'ouverture et aussi de protection. Voilà, d'être connectées à ces génies, à ces ancêtres. Il y a tellement de choses qui vont être faites ici dans les pistes initiatiques. C'est aussi une façon pour les autres, les frères et les sœurs, d'apprendre, de découvrir, de toucher du doigt, eh bien, nos traditions, de toucher du doigt, de respirer cet air frais de Kama, de ressentir par eux-mêmes l'énergie qui se dégage d'un rituel. Parce que parler de rituel, parce qu'avoir étudié les rituels, c'est une chose. Mais venir les faire sur la terre, venir se connecter à la terre Kama, c'est toute autre chose. C'est une expérience qu'il faut vivre. Et Mobali, tu en es la preuve physique et vivante. Exact. Voilà, donc exact. de cette puissance qui se dégage de ces rites. Donc j'invite donc toutes les sœurs et tous les frères qui sont intéressés par ce parcours initiatique que je recommande vivement et intensément de contacter donc Batem Nassim. Je pense que Mobali, tu pourras mettre le nom de le numéro de contact de la sœur qui s'occupe de tout ce qui concerne Batem Nassim ou de Tété. Voilà, de contacter, de discuter, de poser des questions. Nous serons là pour vous répondre, pour vous guider par rapport à ces pistes. Voilà. Alors, les gens qui découvrent
qui ne savent pas de quoi on parle, normalement, moi, j'ai fait ces pistes-là. Je suis parti au Cameroun et j'ai fait des vidéos. Ça s'appelle La Voix des Ancêtres. Il y a une série de vidéos, je pense qu'il doit en avoir 3 ou 4. Allez-y, regardez. Ça va vous donner une idée de ce qu'ils font là-bas sur le terrain. Et je peux vous dire que les amis, ce ne sont pas que des paroles. Moi, je suis allé sur place. En général, quand je parle, quand je valide quelque chose, c'est pas comme ça, d'accord ? Si c'était nul, j'aurais fait une vidéo pour dire que c'était nul. Je suis allé, j'ai fait les choses, j'ai fait les rites avec le frère. Bon, on ne peut pas dire là, mais on a fait des choses là-bas. On a fait de la sorcellerie, les amis. Et je peux vous dire la que... La pure c'est... sorcellerie, pour on a fait les vraies choses. Et je peux vous dire que oui, c'est réel. C'est tout ce que je peux dire, c'est réel. Je vais m'arrêter à là. Et c'est sûr, d'accord ? C'est pas des gens qui vont vous arnaquer. C'est pas... Non. J'étais sur place. On a fait les choses. Je sais que c'est des gens sérieux. Vous allez être pris en charge. Vous allez être bien accueillis. Vous allez être bien orientés. Il y a des sites. Vraiment, c'est... Et puis même, ceux qui vont vous faire découvrir, les amis, c'est une expérience unique. D'accord ? C'est vraiment une expérience unique. Donc, allez-y. C'est des gens bien. Il n'y a aucun souci. Contactez Tété. Je mettrai les contacts dans la description de la vidéo à la fin, quand j'aurai fini. Bah écoute frère, même on moi, a fait moi, ouais. ceux qui ont déjà mon numéro et qui vont voir mon numéro, qui n'auront pas peut-être à voir Tété, peuvent passer par moi pour avoir des informations très amples informations concernant le sujet. Excellent. Bon bah écoute frère, c'est terminé. On va d'abord faire un vote. Les amis, on fait un petit vote. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange? Est-ce que on a répondu à vos questions, les amis? Concernant cette histoire du nom, il y a de quoi faire. Dites-moi en commentaire, mettez 5 pour me dire oui, Mobali, c'est bon, vraiment, c'était un live nécessaire. C'était quand même important d'en parler. Le frère, il a assuré, vraiment, c'est à suivre. Il faut qu'on lui donne la force. Ou bien vous mettez 2 pour dire c'était à chier, vraiment, Mobali, tu nous as arnaqué, on a perdu notre temps. On voulait regarder un film, mais on voulait regarder, comment il s'appelle ? John Wick. On voulait regarder John Wick et tu nous fais chier avec tes lives. Patati patata. Donc allez-y, c'est soit 5, vous validez, soit 2, vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas validé, les amis. Voilà, ça a été un calvaire. Allez, je mets musique du stress et on est parti pour le vote. Et ben, moi aussi, je vote, c'est toujours un plaisir. Le frère, il est sur Instagram, hein, pour ceux qui ont kiffé et qui veulent soutenir le frère, il est sur Instagram, il a sa chaîne. Donc allez-y, soutenez, abonnez-vous à sa chaîne, suivez le frère dans ses activités et soutenez-le parce que vraiment ça en vaut la peine. Tu vois, ça en vaut vraiment la peine. Donc je vois les 5 défilés. On me dit oui, Mobali, c'est du bon. Je partage mon écran. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ah ben on ne voit même pas. On ne voit pas. J'arrive pas à partager les commentaires là. On ne voit pas, si. Bon, je voulais partager les commentaires, comme ça, sauf que vous pouvez voir, mais c'est pas grave. En tout cas, il n'y a que des 5, ça c'est sûr. Il n'y a que des 5, donc c'est satisfait. Je ne me suis pas trompé. Frère, vraiment, reviens le plus souvent. Moi, je veux souvent te voir ici parce que tu t'argumentes, quoi. Tu parles bien. Moi, j'aime bien t'écouter. Et t'as une bonne fougue. Moi, j'aime bien ton énergie. Donc reviens dès que tu peux, il n'y a aucun souci les amis. Avant qu'on se quitte... On trouvera des thèmes au balai. Bien sûr. Frère, on va faire les choses bien. Comme on a convoqué certaines énergies, ben, on va faire aussi, on va boucler la maison. Hein. Tu vois, on a ouvert la porte, on va fermer la porte. Donc je vais te laisser aussi le faire et puis après on va se quitter, ok? Ok, ça marche. Et à son gué, j'ai goût, n'a mon dambay, et à son gué, j'ai goût, n'a mon dambay, et à son gué, j'ai goût, n'a mon dambay, et à son gué, j'ai goût, n'a mon dambay, et à son gué, j'ai goût, n'a mon dambay, et à son gué, j'ai goût, n'a mon dambay.
Puisse nos morts et nos ancêtres nous accompagner, puisse nos morts et nos ancêtres et nos divinités garder et faire sortir notre père Dombi Fakouli en bon état, en bonne santé de cette prison. Puisse nos ancêtres venir donc nous donner leur propre nom à ceux qui ont été déconnectés. Puisse donc nos ancêtres venir nous donner l'intelligence de choisir des bons noms. Puisse donc nos ancêtres eux-mêmes donner la force de nous déconnecter de nos anciens noms. Puissent nos morts et nos ancêtres, puissent nos makérous que nous appelons au quotidien, venir donc nous donner la force de continuer ce combat. Alors, Hotep Ankoudia Sénèbre à toute la communauté, Hotep Ankoudia Sénèbre à tous ceux qui nous suivent de loin et de près, Hotep Ankoudia Sénèbre à nos ennemis, Hotep Ankoudia Sénèbre à nos morts et nos ancêtres. Haché. Haché, haché, haché. Frère, à très bientôt, on est ensemble. Hotep. Hotep Kemat. Bon, mais les amis, satisfait, satisfait, satisfait. Donc, je ne rembourse personne. Parce que normalement, c'est satisfait ou remboursé. Mais je rembourse personne. Bon, les amis, si vous voulez le t-shirt, c'est de ça qu'on parle. Vous allez voir chez N'Golo Shop. Ils ont une page Instagram. Vous tapez N'Golo Shop. D'accord? Vous trouverez ces t-shirts si vous les aimez bien. Et puis, ça permet aussi à ce que ben, l'argent tourne dans la communauté, les amis. C'est bientôt l'été, comme je l'ai dit. On va monter un peu les biscottos. Faut quand même qu'on soit clean. Faut quand même qu'on soit un peu élégant. D'accord? C'est un peu comme ça. Bon, ça c'est plié. Alors, quelqu'un m'a parlé dans les commentaires. J'ai vu Mobali, Mafa. Oui, mais les amis, Mafa, c'est bon, c'est plié. Je viens avec une nouvelle conférence. En tout cas, Muntu revient avec une nouvelle conférence. Mes frères et mes sœurs sont dans le laboratoire de recherche. Donc là, on est dans le maquis. Ça travaille jusqu'à tard, tard, tard la nuit. Le sujet, ça sera sur l'occultisme, d'accord? Ça sera sur l'occultisme. On va essayer de comprendre l'occultisme chez les locodermes, d'accord? Parce qu'on dit beaucoup de choses, très serment, très très souvent, on fait des phrases toutes faites en disant ouais, ben les blancs, ils ont tout volé en Afrique. C'est une phrase facile à faire. Maintenant, il faut documenter, il faut mettre les preuves, il faut mettre les documents, d'accord? Donc c'est le travail que nous allons essayer de faire pour comprendre leur occultisme à eux, à quelle époque ils naissent, à quelle époque ils se développent, c'est quoi les gens qui sont des personnages importants chez eux dans cette histoire d'occultisme, comment ça s'est retrouvé à l'échelle des chefs d'État, à l'échelle des personnes importantes dans la politique, par exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment je peux dire ça? Certains monuments qu'on voit dans les pays des locodermes, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan énergétique, c'est toutes ces choses qu'on va essayer de comprendre, mais je peux vous dire que vous aurez une fois que vous allez sortir de là, vous allez avoir la bouche vraiment grande ouverte. Mais il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que ça. Nous allons aussi dire certaines choses qui tournent dans la communauté et qui sont complètement fausses. D'accord? Certaines choses qui tournent dans la communauté. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes se font de l'argent avec ces faussetés. Et nous allons un peu remettre en question tout cela. Disons que nous allons mettre les preuves. Et les preuves seront indiscutables. Une fois que nous allons parler, que les preuves vont parler, ça va être terminé. D'accord? Et à ce moment-là, toutes ces personnes-là qui se font de l'argent avec votre ignorance n'auront plus le droit de le faire. D'accord? Donc, c'est un travail qui est pas facile, qui est dur, parce qu'il faut regrouper quand même beaucoup de documents. Et en général, pour ceux qui sont venus à conférences de Mobali ou les conférences de Muntu, vous savez qu'on est très très généreux, on aime bien vous faire plaisir, on aime bien que vous soyez satisfait, on aime bien ne pas vous décevoir. Et donc on fait en sorte qu'on puisse vous respecter. D'accord? Qu'on puisse vous respecter, c'est-à-dire qu'on mette les moyens, tout l'amour que nous pouvons, tout le temps que nous pouvons mettre en place pour vous satisfaire parce que vous le méritez, ben on le fait. Donc, vous voyez, j'ai les yeux tout rouges, je suis tout fatigué. Et mes frères et mes sœurs, pendant que je parle, sont en train de bosser. Dur, dur, dur. Mais les amis, dès qu'on va être prêt, dès que ça sera le moment, je vous le dirai. De toute façon, la fiche, elle sera faite. Mais je pense que ça va être une série. Parce que le problème avec nous, quand on travaille, on est très, très généreux, on ouvre beaucoup de portes et on se retrouve avec un surplus de documents. Donc je pense qu'il y aura une série de 1, 2, 3. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore le titre officiel, mais on reste éking, d'accord? Dès que ça va être opérationnel, je vous donnerai le titre, je vous donnerai la date et le lieu, et on se retrouvera, comme on a fait pour les Maafa,
au calme, d'accord ? Et on va vraiment kiffer. Donc on reste, et Kenge, c'est en train de se préparer. Je pense que ça risque d'être pour septembre. D'accord ? Je pense que ça risque d'être pour septembre. Donc, voilà. OK ? Donc, ça ne sera pas Maafa 2. Ça ne sera pas Maafa plus tôt. Maafa, c'est terminé. Mais disons que ça a quand même un lien avec tout ce qu'on a appris dans Maafa. Ça a un lien. D'accord ? Parce que vous allez voir que nous allons reparler des Arabes. Nous allons voir l'implication des Arabes dans l'enseignement à des choses occultes holocodernes. D'accord ? Donc, il y aura quand même ce lien-là. Mais vous allez vraiment, 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 vraiment kiffer. Ça, je peux vous le dire. Vous allez vraiment adorer. Okay ? En tout cas, on met tout pour que vraiment vous puissiez kiffer. Sur ce, les amis, moi, j'ai terminé. Je vous dis au week-end prochain. Le week-end prochain, on aura un frère qui va nous parler du Congo, du Royaume Congo. Vous allez découvrir pas mal de choses. La fiche n'est pas encore faite parce que bon, j'ai pas encore fait le travail, mais suivez dans l'actualité, c'est-à-dire que là où c'est marqué, dans l'onglet là où c'est marqué communauté, c'est là où je poste les lives qui sont prévus dans la semaine ou durant tout le mois. D'accord ? Il y aura aussi des sœurs de Muntu, qui vont vous faire découvrir certaines choses qu'elles font. Alors ça peut être, je pense, ça va être le week-end prochain. Donc on reste Kenge, ok ? On reste Kenge, on reste ensemble. Sur ce, je vais vous quitter avec un générique parce que malgré tout, je reste un professionnel et je vous dis au TEP.